Salut à vous, amis et camarades, qui vous êtes connectés ce 7 novembre pour prendre part au meeting convoqué par le Parti ouvrier indépendant démocratique. Ce meeting n'a pas encore eu lieu, mais il a déjà une histoire. Vous le savez, ce meeting était initialement convoqué dans une salle à Paris, la salle de la Porte de Charenton, et puis, confinement oblige, l'application des directives gouvernementales a abouti à interdire ce meeting dont il était prévu qu'il se tienne en présence physique. 2000 à 1200 travailleurs et militants de la région parisienne. Nous avons alors pris au mot le président Macron qui, dans son allocution, il y a une dizaine de jours, avait déclaré que les rassemblements étaient interdits, sauf, disait-il, les manifestations revendicatives. Il y a donc une petite dizaine de jours, nous avons déposé une demande d'autorisation d'une manifestation pour aujourd'hui, 14h30, en précisant que la revendication était interdiction des licenciements, confiscation des 560 milliards versés indûment par le gouvernement aux capitalistes et affectation de ces sommes pour l'école, l'emploi, les hôpitaux. Dans un échange qui a lieu entre le représentant du POID et la préfecture, celui-ci nous a demandé « Mais est-ce que vraiment vous persistez à demander une autorisation de manifestation ?» À quoi notre camarade a répondu « Bien sûr, puisque c'est l'engagement du président Macron ». Et la réponse nous a un petit peu surpris, puisqu'elle consiste à dire « Certes, le président Macron autorise les manifestations, mais le rôle du préfet est de les interdire ». Ça peut sembler assez étonnant, mais le fait est que nous avons reçu, il y a 2 jours, un arrêté signé du préfet de police de Paris, M. Didier Lallement, qui est connu pour ses œuvres répressives multiples. Et dans cet arrêté, il précise bien que nous avons demandé à manifester, je cite, pour réclamer un plan d'urgence pour les hôpitaux, la réquisition des 560 milliards d'euros attribués aux banques et aux patrons et l'interdiction des licenciements. Il signale le parcours que nous avons demandé, mais il objecte ceci. À savoir, je cite, qu'il faut faire face à la propagation sur le territoire national de l'épidémie de Covid-19, à savoir que le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire à côté du 17 octobre. Que certes, nous avons fait une déclaration nous engageant à respecter les mesures d'urgence, mais seulement voilà, je cite, « nous n'avons pas indiqué explicitement les mesures que nous voulions mettre en œuvre ». Alors, nous voulions mettre en œuvre les mesures décidées par le gouvernement. Or, précise l'arrêté qui concerne le POID, dans une situation où entre le 27 et le 29 octobre, nous sommes passés de 5190 cas confirmés par jour à 13132, ce rassemblement est susceptible de favoriser la propagation du virus. Oui, camarades qui nous écoutez, vous qui pensez que la propagation du virus a été rendue possible par l'incurie du gouvernement Macron, par son refus de prendre la moindre mesure de protection de la population, vous qui pensez que les fermetures de dizaines de milliers de lits d'hôpitaux sont responsables de la propagation du virus, vous n'y êtes pas. Potentiellement responsable de la propagation du virus, la manifestation convoquée par le Parti ouvrier indépendant démocratique ce 7 novembre. Et puis, à quoi s'ajoute le fait qu'il y a un contexte de menace terroriste très élevé et que par conséquent, la police est mobilisée à d'autres tâches et l'arrêté tient en 2 articles. Article 1, la manifestation déclarée par le PUD pour le 7 novembre est interdite. Article 2, le préfet est chargé de faire respecter. Bien, donc la manifestation est interdite. À vrai dire, beaucoup de choses sont interdites par les temps qui courent. Ceux qui se sont rassemblés hier pour protester contre la fermeture du service des urgences de l'Hôtel Dieu à Paris se sont vus verbalisés pour cause de rassemblement ou d'attroupement illicite. Les lycéens qui sont sortis des lycées ont été eux aussi réprimés, gazés, matraqués. Bien, il faut faire un constat. On voudrait en quelque sorte faire taire tous ceux qui désignent du doigt les véritables responsables de la situation. Il faudrait créer une situation très étrange et sans précédent d'ailleurs du point de vue démocratique, où les manifestations revendicatives sont autorisées sur le papier mais interdites dans la vie. Et disons qu'un gouvernement qui aurait pour objectif de faire taire les travailleurs, les jeunes, les organisations syndicales ne s'y prendrait pas autrement. Cela n'empêchera pas, évidemment, le Parti ouvrier indépendant démocratique de s'exprimer. Il s'exprime chaque semaine dans la tribune des travailleurs,
Il va s'exprimer dans les 2 heures qui viennent dans ce meeting et c'est pourquoi nous avons tenu à ce que ce meeting soit très exactement le meeting que nous avions prévu de tenir, porte de Charenton. Au détail près qu'il n'en est pas un, à savoir que ce meeting n'est pas en présence physique de ses participants, à savoir qu'il se tient en visio, comme on dit, et au fait que, paradoxalement, cette tenue en visio permet que vous soyez plus nombreux à participer à ce meeting qu'en présence physique, parce que cela le rend accessible à des camarades qui, sinon, auraient peut-être été en difficulté pour y assister de manière vivante, directe. Alors, vous aurez à cœur de participer à ce meeting jusqu'au bout, comme les orateurs et les oratrices ont eu à cœur d'être présents à travers le système numérique, d'être présents et de dire ce qu'ils et elles auraient dit à la tribune du meeting. Vous aurez à cœur de participer à ce meeting jusqu'au bout parce que c'est la meilleure manière de répondre au préfet l'Allemand, à son arrêté d'interdiction et plus généralement à la tentative du gouvernement de faire taire ceux qui combattent sa politique. Vous aurez à cœur d'assister à ce meeting jusqu'au bout parce que c'est aussi un moyen d'affirmer l'exigence démocratique que soit respectée réellement la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Comme dans tous les meetings du POID, celui-ci ne durera pas plus de 2 heures et se conclura par des propositions concernant l'action, l'organisation. Et sans attendre, vont prendre la parole d'abord Maya, qui est étudiante, puis le camarade Rachid Amdi, qui est bagagiste dans la sous-traitance sur la plateforme aéroportuaire de Roissy, et enfin Fabrice Criquet, qui est à la fois militant du Parti ouvrier indépendant démocratique et syndicaliste sur la plateforme de l'aéroport de Paris. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Donc, je me présente, je m'appelle Maya et je suis étudiante à l'École du Louvre et à Nanterre dans une prépa au concours de restaurateur d'art. Donc, depuis septembre, à Nanterre, la situation n'est pas idéale du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'horaire fixe pour les cours. À la place de cours réels, on a des PDF qu'on nous envoie à 21h ou 22h, alors que je suis quand même dans une prépa. Et on n'a pas d'audio non plus, donc en fait, on n'a vraiment pas de vrais cours. Et avec le confinement, évidemment, rien s'est arrangé. Donc la situation est encore pire. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre avec ce gouvernement, enfin, c'est qu'il est incapable de nous assurer une vraie réussite, un vrai diplôme, et que bah, les inégalités entre les étudiants sont encore plus flagrantes. C'est-à-dire que dans ma classe, sur 20 personnes, il y a très peu qui ont le matériel nécessaire chez eux pour suivre les cours, c'est-à-dire une webcam, une connexion Internet qui fonctionne, des livres affichés alors qu'on a un concours blanc dans 3 semaines, ou encore du papier dessin à dessin au format, etc. On doit être 3 à peu près à avoir le matériel entier. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces pseudo-mesures sanitaires et ce confinement, en fait, c'est des offensives d'une extrême violence envers les étudiants. C'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans la continuité de la casse d'université organisée par Macron et tous ses prédécesseurs de la Ve République. Et en plus, elles permettent de désigner un bouc émissaire, c'est-à-dire la jeunesse, en rendant les étudiants responsables des contaminations. Et en plus de ça, ça permet de détourner la responsabilité du gouvernement, et, enfin, qui, au lieu d'ouvrir des lits d'hôpitaux et d'investir dans des campagnes massives de tests, et encore d'autres mesures, préfère verser 560 milliards d'euros aux banques pour financer les plans de financement. Donc ce sont vraiment les étudiants qui pâtissent, parce qu'il n'y a plus de vraies études, les lycéens, ils n'ont plus de vrais bacs, les travailleurs travaillent sans aucune protection sanitaire, et il y a une inexistence totale de protocoles sanitaires pour les écoles. Donc c'est vraiment l'intégralité des droits des étudiants aux études, et du droit à l'égalité face aux études qui sont remis en cause. Et parce que voilà, les conditions d'études sont encore plus inégalitaires, surtout en période de confinement. Donc nous, étudiants, on revendique notre droit à étudier dans de bonnes conditions et on refuse donc de choisir entre nos études et notre santé, comme ce que veut nous faire faire le gouvernement. Et on affirme que c'est possible, qu'il y a des conditions, il y a des moyens, on a les conditions et les avancées technologiques qui permettent de le faire. Et
Ces moyens-là, pour nous, c'est les 560 milliards offerts par Macron aux banques et etc. Aux patrons. Donc, si pour l'instant ce gouvernement a pu prouver une seule chose depuis début septembre et même depuis le début de la crise sanitaire, c'est son incapacité à satisfaire les besoins de la jeunesse, mais aussi à satisfaire les besoins élémentaires du droit qui est le droit aux études. C'est pourquoi nous, Jeunesse Révolution, on propose aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes travailleurs de s'organiser pour le chasser et le remplacer par un gouvernement ouvrier qui sera le seul capable de mettre en place des mesures qui nous permettra d'avoir un accès égal aux études, etc. Voilà. Chers camarades, bonjour. Je travaille à l'aéroport de Roissy CDG2 dans ce qui est peut-être l'un des plus grands trieurs de la plateforme. Ce trieur est géré par un prestataire désigné par Air France, le donneur d'ordre. Aujourd'hui, avec la crise Covid, l'activité est en ralenti. Notre emploi et nos acquis sont menacés. Ce qui se passe chez ADP et Air France, où on annonce un plan de 7 700 suppressions de postes, n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous, sous-traitants, nous sommes amenés à subir au mieux des plans de performance, gel de salaire, primes qui sautent, ou au pire des plans de licenciement si ces 10 plans de performance ne sont pas validés par les différents CE. Des milliers d'emplois sont menacés et nos acquis sont détruits d'un revers de la main par le donneur d'ordre. Aujourd'hui, la sous-traitance a la tête entre le marteau et l'enclume, alors que le gouvernement donne des milliards aux banques et aux patrons. Certes, il y a cette crise Covid, mais nous les travailleurs, nous n'en sommes pas responsables et nous ne devrions pas payer les conséquences. Le gouvernement est responsable. Il doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié de l'aéroport ne soit touché. Pour moi, la question d'une assemblée constituante prend toute son importance car une telle assemblée prendrait les mesures nécessaires, comme par exemple la réquisition de ces milliards donnés aux patrons pour préserver nos emplois et nos acquis. Aujourd'hui, il est plus que vital de créer l'unité entre les agents d'Aéroports de Paris, d'Air France et de la sous-traitance, que l'on soit bagagiste, agent d'entretien dans la sûreté ou autre, pour défendre notre condition. Pour la réquisition des milliards donnés aux patrons, pour l'interdiction des licenciements, pour la défense de nos statuts et de nos conventions collectives, pour la renationalisation d'Air France. Je vous remercie. Chers camarades, Rachid vous l'a dit juste avant moi, les plans de licenciement, de suppression d'emplois et les restructurations se multiplient. Les droits ouvriers sont remis en cause partout. Des milliers de travailleurs et leurs familles sont plongés dans la misère et la précarité. Alors cela pose une question à tout mouvement ouvrier. Faut-il accompagner les plans de licenciement et les restructurations ou au contraire les interdire et combattre pour réaliser l'unité? À Aéroport de Paris, nous sommes confrontés à un plan de 1 150 suppressions d'emplois, soit 18% de l'effectif. Ce plan prévoit également l'allongement du temps de travail, la remise en cause des droits à repos, la remise en cause des avancements, du 13e mois, des primes statutaires et j'en passe. Le PDG a ouvert des pseudo-négociations en appelant immédiatement les syndicats à la co-construction et au dialogue social. Le but étant pour lui d'obtenir des accords signé par les syndicats afin de nous faire avaler le plan. Il s'agit notamment des accords de performance collective, dits accords APC, des accords de rupture conventionnelle collective, dits accords RCC, ou encore accords d'activité partielle longue durée, dits accords APLD. Le but du premier est de faire travailler plus pour gagner moins, en remettant en cause et liquidant les droits ouvriers. Le second a pour but de supprimer purement et simplement des centaines et des centaines d'emplois. Quant au troisième, il a pour but de mettre en activité partielle des centaines de collègues de travail avec les baisses de salaire associées. La mise en place de ces accords a été facilitée par le gouvernement pendant qu'il versait des milliards et des milliards aux patrons. La mobilisation des agents ADP s'est organisée dès la fin du premier confinement. Assemblée générale, rassemblement, manifestation. Des centaines de collègues sont venus, malgré le chômage partiel à l'œuvre et la généralisation du télétravail. L'immense majorité des collègues rejettent le plan de la direction et exigent le maintien des emplois, le maintien de tous les acquis et a exprimé la nécessité de l'unité comme une condition indispensable pour obtenir satisfaction. Très rapidement, la responsabilité de l'État a été posée et la nécessité d'aller au gouvernement. C'est la mobilisation qui a permis que les syndicats appellent dans l'unité à un rassemblement devant le ministère. Cette mobilisation s'est heurtée à des obstacles, notamment au poison de la division.
Dans une lettre adressée au ministre, certaines directions syndicales ont indiqué que les efforts devaient être partagés. Mais partagés avec qui? Avec les actionnaires? Avec le gouvernement? Ceux qui donnent ou reçoivent les milliards et qui jettent les travailleurs dans la misère? C'est dans ce mouvement concret de cette mobilisation que des agents ADP, qu'ils soient syndiqués à la CGT, à Force Ouvrière, à la CGC ou à l'UNSA, ou non syndiqués, ont pris l'initiative de rédiger un appel affirmant « De la division ne peut sortir qu'un seul vainqueur, la direction et le gouvernement ». Et il se concluait ainsi « L'État peut, l'État doit arrêter le plan ». Où en sommes-nous aujourd'hui? Hier, l'ensemble du personnel a reçu un communiqué de la direction qui, je cite, « prend acte de la décision de la majorité des syndicats de ne pas signer les accords ». Autrement dit, l'opération corporatiste de la direction d'associer les syndicats au plan a échoué. La direction conclut son communiqué en annonçant qu'elle imposera les mesures nécessaires. Autrement dit, elle annonce à tout le monde qu'elle va continuer à appliquer son plan. Donc plus que jamais, à Aéroports de Paris comme ailleurs, l'unité est plus qu'urgente pour stopper la direction et le gouvernement. Que ce soit dans le mouvement concret des mobilisations, les militants du POID sont et seront avec les collègues dans les assemblées générales pour aider à faire avancer la cause de l'unité pour interdire les plans. Il en sera de même le 21 novembre prochain, dans la nouvelle rencontre nationale pour l'unité pour l'interdiction des licenciements, convoquée à l'initiative de travailleurs et de militants de toutes tendances. Vont prendre la parole successivement Stéphanie Faury, infirmière et syndicaliste, Jean-François Batty, postier syndicaliste, et Samy, livreur. Bonjour camarades, militante syndicale hospitalière depuis plus de 10 ans, je suis confrontée à une situation paradoxale. Dans une crise sanitaire majeure, nous avons jamais subi autant d'attaques sur les hôpitaux, les EHPAD publics à tous les niveaux, masquées par les mensonges du gouvernement. Casse de notre statut, avec le décret du 11 juin 2020 qui permet le licenciement des fonctionnaires. Casse de nos formations, de nos diplômes. Pas d'embauche, voire suppression de postes et lits hospitaliers ne permettant pas de soigner tous les patients. Prime mensuelle de 112 euros au lieu de l'augmentation indiciaire des salaires. Directive ministérielle qui limite l'utilisation des ports des gants et qui ne protège même pas de par la mauvaise qualité. La colère des agents hospitaliers est grande et ils ne mâchent pas leurs mots. Ce gouvernement n'a aucune considération pour le personnel hospitalier. Pas de matériel pour désinfecter les locaux, pas de personnel en renfort. Il a été plus simple de supprimer tous nos congés, ça ils savent faire. Pour les gants, quelles que soient les consignes, je ne suivrai que ma conscience et mon expérience professionnelle. Donc, je mettrai des gants, comme je le fais actuellement, pour me protéger les patients, sans le souci des économies. Les hospitaliers en ont marre, nous avons l'impression de faire du gardiennage, du ménage, du rangement, au lieu de faire de la relation considérée. Je continue. On se fout de nous. La fameuse augmentation promise par le gouvernement ne reste pas moins qu'une petite prime et ne compte même pas pour le calcul des retraites. Si l'on enlève toutes nos primes, nous ne sommes qu'à pas loin du SMIC, nous les aides-soignantes. Il veut réduire la formation des soignantes à 15 jours au lieu de 1 an et pour les infirmières de 2 ans au lieu de 3 ans. Où on va? C'est hallucinant, ça fait peur. Est-ce que vous voulez être soigné par des gens qui ont été formés à la va-vite? Tout aurait pu être pensé, organisé, mis en place depuis la première vague. Mais rien n'a été fait. Ou plutôt, si, le gouvernement a voulu nous démotiver, nous épuiser, nous culpabiliser. Le monde hospitalier français et tous les services publics sont anéantis, et pas à cause que du Covid. Par contre, le monde financier, il va très bien. Il a été sauvé par ces centaines de millions de milliards distribués aux banques qui financent les plans de licenciement dans les grandes entreprises. Qui va payer au final? Nous, les citoyens? Non, je conteste. Il faut nationaliser les banques et redonner le pouvoir au peuple. Oui, ce gouvernement utilise la crise sanitaire pour continuer, voire accélérer son opération de destruction des hôpitaux. Oui, la colère des hospitaliers est palpable. Elle cherche à s'exprimer, à s'organiser.
Il est temps d'organiser cette rage à travers les organisations syndicales indépendantes qui combattent pour chaque revendication des agents hospitaliers. Mais ce combat syndical serait vain si nous restons dans un cadre actuel de la Ve République où tous les pouvoirs sont concentrés sur un seul homme, le président de la République, au service des banques et des grands patrons. En face, ils sont organisés. Organisons-nous aussi avec un parti qui défend la majorité des travailleurs publics et privés. Un parti qui propose la mise en place d'un gouvernement ouvrier et qui imposera un vrai plan, un vrai programme ouvrier. Réquisition des 560 milliards versés aux banques et aux grandes entreprises qu'on nationalisera pour financer l'embauche massive dans les écoles, les universités, les hôpitaux, les EHPAD, les actions sociales et les services publics et le maintien de tous les emplois dans les grandes entreprises et les petites entreprises qui pourront financer la sécurité sociale de 1945, une des plus grandes avancées à notre humanité. Découvrez notre parti, le POID, à travers son journal La Tribune des Travailleurs. N'hésitez pas à vous approprier le POID en y adhérant. Bonjour camarades. Le 4 mars dernier, la Caisse des dépôts et consignations est devenue officiellement l'actionnaire majoritaire du groupe La Poste. L'État restant actionnaire minoritaire à hauteur de 34%. Ce désengagement de l'État fait suite à différentes directives européennes qui ont mis fin au monopole public de distribution et d'acheminement du courrier. Elles ont accéléré la rentabilisation de La Poste afin d'y faire venir les capitaux privés et justifier sa privatisation. La CDC, bras armé de l'État, exige un retour sur investissement immédiat. Les 2,3 milliards d'euros de résultats nets du premier semestre 2020, en pleine pandémie, ne suffisent pas à la CDC. Suppression de milliers d'emplois, entre 15 et 20 000 selon des sources syndicales. Fermeture de bureaux de poste. Accélération des réorganisations. Remise en cause du principe de service public universel, comme l'exige la Cour des comptes pour faire des économies. La prochaine étape, l'externalisation et l'ubérisation des activités colis vers la filiale Urbi, créée par La Poste, pour la distribution des colis dans les grandes villes. Activité effectuée actuellement par des postiers sous statut ou en CDI. Il ne peut y avoir un service public postal de qualité pour les usagers si la recherche du profit immédiat est la doctrine. Nous, postiers, militants du POID, nous nous prononçons pour le retour au monopole public postal de toutes nos activités. La Poste profite du Covid pour accélérer sa transformation. Cela passe d'abord par la remise en cause des acquis des postiers et la notion de titulaire de quartier à la distribution. Être titulaire de son quartier apporte stabilité, qualité de service pour les agents et pour les usagers. Cela implique des moyens de remplacement formés en nombre. Le but de cette réorganisation, c'est de mettre en place une flexibilité de tous les agents. Cette réorganisation nationale mérite une réponse nationale. Les directions des fédérations syndicales restent muettes sur cette remise en cause. Suite à deux réunions de postiers réunissant 26 collègues de 9 bureaux en Eure-et-Loire, la grève est décidée pour le 19 novembre avec rassemblement départemental. L'unité de bas en haut et de haut en bas doit être réalisée. C'est ce que les postiers d'Eure-et-Loire, avec l'appui de FOCOM et la CGT-PTT, ont mis en avant dans leur appel qui a recueilli plus de 200 signatures sur le département avec des revendications claires et précises. Le métier de facteur a déjà subi une forte transformation avec l'arrivée des services marchands. Mais là, c'est une attaque sans précédent contre l'existence même du métier de facteur. Un pulse géant est en train de prendre forme. Virage sur le tout colis, achat et création de filiales, mise en place d'organisations de travail préparant l'externalisation de la distribution, augmentation de la précarité dans les services. Tous les gouvernements depuis ces 40 dernières années ont démantelé par touches successives le service public postal. Seul un gouvernement ouvrier pourra redonner tout son sens au métier de facteur, lien social et garantissant un service public postal répondant aux besoins de la population et non aux diktats de la finance.
C'est dans la discussion autour de la diffusion de la tribune des travailleurs et de son supplément, la tribune des postiers, que nous commençons à créer ce gouvernement en construisant la force qui combat consciemment pour ce gouvernement. Merci. Lila Ahmed est agente d'entretien dans un collège de Seine-Saint-Denis. Elle est syndicaliste. Elle n'était pas disponible aujourd'hui, mais elle a tenu à ce que nous lisions son message, ce que je fais. Bonjour, je suis agente d'entretien dans un collège de Seine-Saint-Denis et syndicaliste. L'école est menacée et le droit à l'instruction est menacé. Ils sont menacés par la politique de ce gouvernement et sa gestion calamiteuse du Covid. Sans les agents du conseil départemental, les collèges et les lycées ne pourraient pas fonctionner. Sans les agents, pas de ménage, pas de cantine, pas d'entretien courant des bâtiments. Sans les agents, pas de désinfection des poignées de porte. Souvent, nous sommes invisibles aux yeux de tous, invisibles mais indispensables au bon fonctionnement des établissements, indispensables et pourtant maltraités. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, un homme de gauche, membre du Parti socialiste, n'a même pas pris la peine de nous donner la moindre consigne pour la rentrée du 2 novembre. Pas un mot, pas un mail, rien. Pour M. Troussel, les valeurs de la République, ce sont des mots pour les jours de fête. Les agents, comme les enseignants, sont très attachés à l'école de la République, attachés à l'égalité des droits pour tous les élèves, à avoir partout accès à leurs cours dans de bonnes conditions. Mais encore faut-il que nous en ayons les moyens. Pour les 125 collèges du département, il faudrait recruter 150 agents supplémentaires pour pouvoir mettre en œuvre les consignes sanitaires. Il faut titulariser les contractuels. Mais pour l'instant, aucun recrutement, aucune embauche n'est prévue par la majorité du conseil départemental. PS-PC. Nous avons donc réuni tous les syndicats d'agents et d'enseignement du département, ce qui représente 16 syndicats. Nous avons décidé d'appeler ensemble à la grève le 17 novembre pour obtenir ces 150 postes supplémentaires. Il en va de la santé des agents qui n'en peuvent plus. Il en va de la santé des élèves qui sont chaque jour entassés dans des locaux insuffisamment nettoyés. Il en va de la santé de tous ceux qui travaillent dans les collèges. Quelles que soient les tentatives de nous faire renoncer, nous ne reculerons pas. Ceux qui voudraient que nous cédions sur les 150 postes n'ont qu'à utiliser les 343 milliards accordés au patron le 19 mars dernier par tous les députés à l'Assemblée nationale pour embaucher des agents et garantir la sécurité de nos enfants dans les collèges. Je vous remercie. La parole à présent va être donnée successivement à Jonathan Wilson, qui est enseignant au lycée professionnel et militant syndicaliste, puis à Christelle Kayser, qui est secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant démocratique. Et après elle, ce sera Sandrine Villatte, assistante maternelle. Bonjour, bonjour à tous. Je suis enseignant dans un lycée professionnel du Val-de-Marne, syndiqué à la CGT. Alors vous avez vu, dans de très nombreux endroits, les enseignants se sont mis en grève ou ont fait valoir leur droit de retrait cette semaine. Dans le Val-de-Marne, des dizaines d'établissements étaient concernés d'une manière ou d'une autre. Dans mon lycée, qui est plutôt, on va dire, tranquille habituellement, il n'y a eu presque aucun cours mardi et jeudi. C'est donc un mouvement massif. Pourquoi ? Les annonces du ministre Blanquer et son protocole sanitaire pour la rentrée ont mis le feu aux poudres. Mais la force de ce mouvement s'explique aussi par la colère accumulée depuis des années contre le ministre et sa politique. Parcoursup, réforme du bac et du lycée, réforme de la voie professionnelle, pour ne parler que du second degré. Mais ce mouvement s'opère aussi dans une certaine confusion. Légitimement inquiets des conditions sanitaires de la rentrée, les enseignants exigent des mesures permettant de garantir la santé des personnels et des élèves, et donc en particulier la diminution du nombre d'élèves présents en même temps dans les établissements, pour faire respecter les 10 gestes barrières. Jeudi soir, le ministre Blanquer annonçait la possibilité pour les lycées que les élèves n'assistent qu'à la moitié des cours, charge à chaque lycée de proposer un projet d'organisation pour donc un projet d'organisation qui serait du coup différent d'un lycée à l'autre. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire ou comme une avancée? Bien sûr, ça a été le cas dans mon lycée, cela peut être reçu avec soulagement par les enseignants, mais cela aboutit à supprimer des heures de cours pour les élèves avec une organisation différente d'un endroit à l'autre. Dans mon lycée, par exemple, les élèves ont normalement en moyenne cours 30 heures par semaine. En mettant en place un accueil par demi-groupe, ils en auraient au mieux 20. La précédente période de confinement a déjà été catastrophique. Moi, mes élèves, donc ils sont globalement, on connaît ces difficultés, ont perdu, ont lâché prise dès le mois de mars et n'ont retrouvé l'école, le lycée, qu'en septembre. À la rentrée de septembre, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu un euro mis en place pour l'école pour me permettre un plan de rattrapage.
Et donc maintenant, les élèves devraient perdre de nouveau entre la moitié et le tiers de leurs cours. Que leur restera-t-il à terme comme formation, comme qualification? C'est un problème. N'y a-t-il pas un piège à nous faire élaborer, lycée par lycée, des projets d'établissement qui conduisent à supprimer des heures de cours? Est-ce notre rôle? Est-ce le rôle des enseignants? Est-ce le rôle des syndicats? Le fait de renvoyer chaque lycée à des projets locaux, c'est en fait toute la logique des contre-réformes successives qui ont frappé l'éducation nationale. C'est disloquer tout cadre national, c'est diminuer le nombre des heures de cours, c'est accroître l'autonomie des établissements. Et là, c'est nous qui le ferions. Alors, on en a discuté en Assemblée générale avec les collègues. J'avais proposé qu'on intègre comme revendication le recrutement immédiat d'enseignants supplémentaires et la réquisition des locaux nécessaires pour que les élèves puissent bénéficier de toutes leurs heures de cours. Les collègues étaient évidemment d'accord sur le principe, ils trouvaient cette revendication juste, mais en même temps, ils la jugeaient irréalisable dans l'immédiat. Je comprends tout à fait ces doutes qui, compte tenu du manque de perspectives nationales ouvertes, peuvent s'expliquer. Et je pense qu'il faut affirmer, c'est le rôle notamment de la Tribune des travailleurs, qu'il est possible de recruter immédiatement des milliers d'enseignants, de réquisitionner les locaux disponibles. Cela s'est déjà fait. Mais évidemment, cela exige de refuser le cadre de l'enveloppe budgétaire fermée fixée par le gouvernement. Cela exige de confisquer les centaines de milliards d'euros déversés au profit des banques et des patrons. Alors pour imposer cette revendication, il est certain, il faut l'unité des enseignants, de tous les enseignants et de toutes les organisations. Et ce n'est pas le cas partout. Par exemple, le syndicat majoritaire dans l'enseignement général se contentait de revendiquer au lendemain des annonces de Blanquer un cadrage clair du fonctionnement en demi-groupe, sans exiger le recrutement en urgence d'enseignants pour faire face à la situation. Mais la discussion se poursuit parmi les enseignants, avec leurs syndicats, qui réaffirment en émotion leur attachement à l'instruction des élèves, à un cadre national garantissant à tous les élèves le même volume horaire d'enseignement, les mêmes programmes, les mêmes diplômes. Et le 10 novembre, une grève unitaire est appelée par les syndicats de l'éducation nationale, moyen par lequel peut s'exprimer cette double aspiration, garantir la santé de tous et garantir aux élèves l'instruction à laquelle ils ont droit. C'est le combat qui est devant nous. Bonjour, le 3 novembre, la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, a décidé de fermer les urgences de l'Hôtel Dieu à Paris, au moment où le gouvernement annonce une prochaine saturation des services de réanimation, au moment où on déprogramme des centaines d'interventions, au moment où les personnels hospitaliers sont épuisés, ils osent fermer les urgences de l'Hôtel Dieu afin, nous dit-on, de redéployer les personnels sur d'autres hôpitaux. Rappelons que depuis 40 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés, de droite comme de gauche, ont fermé près de 150 000 lits, alors que la population a progressé de près de 10% dans la même période. Depuis mars 2020, le gouvernement actuel n'a strictement rien fait pour préserver la santé des travailleurs contre la seconde vague du Covid-19. Pire, il a poursuivi la politique de suppression de lits, de services, d'hôpitaux, de personnel. Et les conséquences sont là. Axel Kahn, cancérologue et président de la Ligue nationale contre le cancer, prévient. Dès la mise en place du confinement le 17 mars, la totalité des dépistages systématiques des cancers du col de l'utérus, du sein ou encore de la prostate ont été totalement interrompus jusqu'au mois de juin. La baisse de l'activité de dépistage a été estimée à 30% pendant la période du confinement, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de la mortalité par cancer de 2 à 5% d'ici à 5 ans. Les dépistages systématiques ont repris en juillet, mais, note le cancérologue, des opérations qui n'étaient pas urgentes à l'époque n'ont pas toutes été reprogrammées pour l'instant. Le chef du service d'oncologie digestive de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris alerte. Nous avons vu, dit-il, la réapparition d'états catastrophiques avec une prise en charge de métastases cérébrales que nous voyons rarement dans nos pathologies de cancer digestif. Plus généralement, plus d'un patient sur trois a renoncé ou retardé des soins entre mars et mai dernier. Parmi eux, beaucoup de malades chroniques, diabétiques, asthmatiques, insuffisants cardiaques. Et aujourd'hui, les médecins constatent le retour du même phénomène. Ainsi, depuis le 29 octobre, date de l'annonce du reconfinement, les médecins font remarquer une hausse de 30% des annulations de rendez-vous. Combien de victimes collatérales du Covid ? Aujourd'hui, demain, dans les années à venir ? Combien de victimes au total de la politique de ce gouvernement? On ne le répétera jamais assez, 560 milliards ont été offerts depuis le mois de mars aux patrons, banquiers et spéculateurs de tout poil, dont 343 milliards d'euros attribués le 19 mars dernier grâce au vote de tous les députés à l'Assemblée nationale. 560 milliards de cadeaux aux capitalistes sous des formes diverses,
chômage partiel, fonds de solidarité, report de charges et d'impôts, baisse des impôts de production. Et pendant ce temps-là, pas un centime pour les hôpitaux, pas un centime pour l'école. Pourtant, on pourrait en régler des problèmes avec 560 milliards. Par exemple, recruter massivement des personnels hospitaliers pour, comme le proposent des responsables syndicaux, embaucher du personnel qui pourrait assurer la distribution des repas et ménages afin de soulager le travail des soignants. Par exemple, créer des milliers de lits, notamment dans les services de réanimation. C'est pourquoi le Parti ouvrier indépendant démocratique affirme qu'il faut réquisitionner tout de suite les 560 milliards pour les affecter aux besoins urgents de la population. C'est valable pour les hôpitaux, mais aussi pour l'école. Jonathan a expliqué avant moi la situation dans les collèges et les lycées, où on demande de fait aux enseignants de prendre en charge établissement par établissement l'organisation des demi-groupes, organisation qui prive les élèves de la moitié des enseignements auxquels ils ont droit. On comprend parfaitement que pas plus les profs que les élèves, les parents, les personnels d'entretien ne veulent revivre ce qu'ils ont vécu lors du premier confinement, avec un enseignement à distance chaotique, et que par conséquent ils sont angoissés à l'idée d'une nouvelle fermeture d'établissements scolaires. Ils sont aussi inquiets face au risque de transformer les établissements en clusters. Mais on ne peut pas défendre les intérêts spécifiques des enseignants, le statut des enseignants, au mépris de la mission d'instruction de l'école. Et on ne voit pas pourquoi ces revendications, aussi légitimes l'une que l'autre, devraient s'opposer. Une solution, oui. Jonathan l'a dit, l'embauche massive et immédiate de personnel, par exemple sur les listes complémentaires, comme le réclament tous les syndicats, par exemple dans le vivier de contractuels qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été remerciés à la rentrée de septembre. Oui, embaucher des milliers d'assistants d'éducation, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, d'agents d'entretien. Oui, il faut des masques gratuits dans les écoles. Oui, il faut organiser le dépistage massif et systématique dans les collèges, les écoles et les lycées. C'est pour toutes ces raisons que l'ensemble des fédérations syndicales d'enseignants appellent à la grève et à la manifestation le 10 novembre prochain. Les enseignants ne sont pas seuls dans ce combat. Dans un communiqué de presse du 5 novembre intitulé « Non à l'inapplication des gestes barrières, non aux fermetures, oui aux embauches », la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, demande instamment au gouvernement le déblocage de crédits pour permettre l'embauche immédiate de personnel. Et le communiqué ajoute que si le ministère venait néanmoins à fermer les établissements ou à imposer les demi-groupes, les élèves devraient être encadrés par des adultes autres que les parents pour travailler, car enseigner c'est un métier, ce qui implique des embauches d'enseignants pour assurer le suivi des élèves à distance, voire d'étudiants pour encadrer les demi-groupes sous la direction des enseignants. Quant aux locaux, dont on nous dit qu'ils ne seraient pas disponibles, comme l'affirme très justement Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, on peut utiliser les salles mises à disposition par les communes, les départements et les régions. Oui, réquisitionner des locaux. Oui, embaucher des profs pour sauver la jeune génération du désastre, pour sauver les élèves qui ont déjà subi l'année dernière une perte massive d'heures d'enseignement. En Italie, le gouvernement, qu'on ne soupçonnera pas d'être un gouvernement révolutionnaire, a sous la pression de la mobilisation annoncé la création de 40 000 postes d'enseignants et de 10 000 postes d'auxiliaires dans les écoles. Il s'agit de mesures certes limitées, certes mises en œuvre pour éviter la révolte des parents et des enseignants. Il n'empêche que là où les demi-groupes ont été mis en place, un deuxième enseignant a été affecté. Et ce qui est possible en Italie ne le serait pas en France ? C'est possible, à condition de remettre en cause le vote du 19 mars à l'Assemblée nationale et de réquisitionner les centaines de milliards offerts aux patrons. Et puisqu'il s'agit de l'Italie, il faut signaler la décision prise par le gouvernement italien d'interdire les licenciements, d'abord jusqu'au mois de juillet, puis jusqu'en décembre, puis jusqu'à mars de l'année prochaine. Répétons-le, ce gouvernement n'a rien de révolutionnaire. Seulement voilà, en mars dernier, les ouvriers italiens se sont mis spontanément en grève sur le mot d'ordre suivant « Nous ne voulons pas aller à l'abattoir ». Cela alors que la direction de la CGIL, l'une des principales confédérations syndicales italiennes, avait passé un accord avec le gouvernement, accord qui disait qu'il fallait soutenir le revenu des travailleurs, mais également ceux des entreprises. Cette mobilisation a fait que la FIOM de Lombardie, la Fédération de la Métallurgie de la CGIL, a dû appuyer ses grèves, car l'unité, même temporaire, a imposé la volonté réalisée en bas et a remis en cause l'union sacrée entre la direction du syndicat et le gouvernement. De nombreuses grèves ont éclaté un peu partout dans le pays qui ont finalement contraint le gouvernement à fermer les usines et à interdire les licenciements. Et en France,
Nous avons entendu Rachid, nous avons entendu Fabrice insister sur une question centrale, celle de l'unité pour le maintien des emplois. Au-delà, ce combat pose une autre question, celle du combat politique pour l'interdiction des licenciements. Pour empêcher, Fabrice l'a dit, que des centaines de milliers de travailleurs et leurs familles tombent dans la misère et la précarité, le combat politique pour la confiscation des milliards pour préserver les emplois, pour la nationalisation d'ADP et pour la renationalisation d'Air France. C'est cette politique que le Parti ouvrier indépendant démocratique défend, une politique qui serait mise en œuvre pour la seule défense des droits et des intérêts des travailleurs et de la jeunesse. Lila est revenue sur la situation des agents d'entretien dans les collèges et sur la réponse du conseil départemental PSPC de Seine-Saint-Denis. Elle a expliqué la mobilisation qui s'organise pour le 17 novembre prochain à l'initiative de 16 syndicats pour obtenir les 150 postes supplémentaires. Il faut savoir que dans ce département, l'un des plus beaux pauvres de France, l'un des plus frappés par le chômage, par les licenciements, là où des files d'attente de la faim se sont formées dans de nombreuses villes lors du premier confinement, la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de fermer le seul et unique centre de santé dentaire du département financé par la Sécurité sociale et situé à La Courneuve. Je suis signataire parmi des centaines d'autres d'un appel dont nous avons déjà parlé dans la tribune des travailleurs, appel de militants ouvriers de toutes tendances, de syndicalistes, d'élus pour le maintien de ce centre, appel qui circule maintenant depuis 2 semaines dans le département. Cet appel est contresigné notamment par Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et urgentistes à Bobigny. Il est également signé par les secrétaires des unions départementales CGT et Force ouvrière, par des secrétaires d'unions locales des mêmes organisations syndicales, par Gilles Poux, maire PCF de La Courneuve, et par d'autres élus du département. Cet appel a un objectif, faire reculer, grâce à la signature en masse et la mobilisation, la direction de la CEPAM. Mais cette bataille nous renvoie au problème que j'ai déjà posé pendant qu'on pille les caisses de la Sécurité sociale en accordant des exonérations et reports de cotisations aux patrons, on ferme les centres de santé dentaire. Cette politique de liquidation des droits, on la retrouve dans tous les domaines et notamment en ce qui concerne les droits démocratiques. Ainsi, en France, le droit à l'avortement est remis en cause de fait en raison de la fermeture des centres d'IVG. Rappelons que, au cours des 10 dernières années, 130 centres d'IVG ont été fermés. Alors, on peut toujours débattre de l'allongement du délai légal pour accéder à l'avortement de 12 à 14 semaines, mais cela va-t-il régler le problème? Non, car si cette proposition est juste, elle ne permet pas de répondre aux besoins des femmes. La seule loi qui vaille aujourd'hui dans ce domaine, c'est celle qui déciderait le libre accès à l'IVG jusqu'à 14 semaines pour toutes les femmes qui en font la demande, celle qui déciderait la rouverture des 130 centres d'IVG avec tous les moyens indispensables pour les faire fonctionner, celle qui déciderait le dégagement de tous les moyens nécessaires à la formation des médecins et des personnels permettant de mettre réellement en œuvre ce droit démocratique. J'en profite pour apporter le salut fraternel du POID aux femmes polonaises qui manifestent depuis des semaines contre l'interdiction du droit à l'avortement que veut imposer le gouvernement en supprimant l'une des rares clauses autorisant un avortement thérapeutique. Vendredi 30 octobre, c'est par dizaines de milliers que les femmes, mais aussi les hommes, ont manifesté dans les rues de la capitale Varsovie contre cette interdiction. Pour conclure, je voudrais insister sur une question. En tant que responsable de la commission Femmes travailleuses du Parti ouvrier indépendant démocratique, j'ai pu constater que dans cette situation particulièrement difficile, les femmes ont été et sont en première ligne et elles subissent de plein fouet la politique du gouvernement. Ces femmes, dès lors qu'elles rencontrent une politique qui répond à leurs aspirations, sont au premier rang de l'organisation. Et je me félicite qu'aujourd'hui, à cette tribune, il y ait une majorité de femmes. Pas pour des raisons de quotas, nous nous sommes déjà expliqués sur cette question, mais parce que quand on construit un parti ouvrier, on doit être en capacité de s'adresser aux couches les plus exploitées de la classe ouvrière. On doit être capable de gagner à ce parti et à sa politique les femmes travailleuses, les déléguées syndicales, les mères de famille. C'est dans ce combat commun, ce combat de construction d'un parti, que pourra se réaliser l'égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes. Je vous appelle toutes et tous à rejoindre le POID et cet appel s'adresse en particulier aux femmes travailleuses. Je vous remercie. Il a passé 4 ans à l'école maternelle, avec une première année particulièrement difficile, avec des appels de l'institutrice totalement dépassés. Je n'ai pas compté les fois où j'ai dû aller le chercher. Heureusement que j'avais anticipé en repoussant la reprise de mon activité professionnelle.
Néanmoins, nous avons dû vivre avec le seul salaire de mon mari. Après décision de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, il est entré en CLIS, classe pour l'inclusion scolaire, classe de 12 élèves, encadrée par une institutrice spécialisée et une AVS, auxiliaire de vie scolaire, pendant un an et demi. Puis en institut médico-éducatif, IME, qu'il a fréquenté pendant 7 ans et demi. Quoi ? Un moment, vas-y, parle. Pardon. Bastien a évolué et progressé en bénéficiant d'un encadrement adapté à ses besoins, ses rythmes, ses capacités, avec des professionnels spécialisés. À présent, il fréquente un IM Pro, Institut Médico-Professionnel. Je voudrais préciser que le handicap est un véritable raz-de-marée pour ses parents et sa famille, car vous vous retrouvez tout d'un coup, seul et totalement démuni, face à toutes les démarches à faire et face au handicap de votre enfant. Car pour la recherche de l'école, le MDPH vous fournit une liste et débrouillez-vous. C'est aberrant et pas normal d'avoir à se battre pour que son enfant ait une place à l'école. Je suis une maman en colère contre ce gouvernement capitaliste qui s'attaque une fois de plus aux services publics en sacrifiant les personnes handicapées. J'accuse ce gouvernement de violence et de barbarie vis-à-vis des personnes handicapées et de leurs familles. En effet, des enfants, jeunes et adultes handicapés, il y en a des milliers qui se retrouvent sans solution, les plongeant, eux et leurs familles, dans une situation précaire, épouvantable, angoissante, et cela est inadmissible. Rien que dans ma ville, Les Lilas 93, il manque dans les écoles 174 heures d'AVS. Cette violence envers les personnes handicapées est inacceptable. Et pour y remédier, il faut des moyens. Ces moyens sont dans la réquisition des centaines de milliards d'euros versés aux banques et aux patrons qui s'en mettent plein les poches. Ces moyens permettraient aux enfants et aux jeunes de ne pas être dépossédés de leur droit à l'instruction. Il faut former, recruter du personnel spécialisé, construire, agrandir quand cela est possible, des établissements spécialisés, du personnel pour les CLIS et autres classes qui permettent aux enfants et jeunes de suivre ou poursuivre leur scolarité, ainsi que revaloriser, augmenter les salaires, titulariser notamment les AVS, mais pas seulement, pour que plus jamais aucun enfant, aucun jeune ne se retrouve au bord du chemin. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui travaillent auprès des enfants, jeunes et adultes handicapés. Vous faites et faites toujours un travail remarquable. Je me suis battue, je me bats et je me battrai pour une école qui soit instructive pour tous. Et pour faire face à ce gouvernement destructeur, construisons ensemble le POID. Merci. Vont maintenant prendre la parole Laura Bonucci, qui est plumassière au Lido, Michel Choulet, accompagnante d'enfants en situation de handicap à Paris, et Alan Benjamin, militant ouvrier américain, responsable de l'organisation Socialist Organizer, qui va nous donner des indications sur la situation chaotique dans son pays. Bonjour. Je travaille au Lido depuis bientôt 32 ans. Mon employeur est Sodexo Loisirs, qui est propriétaire du Lido depuis 15 ans. Je suis couturière. Sodexo pèse 10 milliards en cotation boursière, alors qu'ils ont touché l'aide de l'État, CICE et PGE. Ces jours-ci, Sodexo, en France, a annoncé un projet de plan de sauvegarde de l'emploi qui impliquerait la suppression nette de 2083 postes, soit 7% des effectifs, notamment sur le périmètre de la restauration collective. Pour le Lido, Sodexo profite de la pandémie
pour nous supprimer toutes nos conventions collectives depuis 2007. Tous les acquis à la poubelle, prime, RTT et j'en passe. Et là, il nous propose un nouveau rythme de travail avec deux alternatives, la peste ou le choléra. C'est-à-dire 365 jours par an égale 7% de perte de salaire et les primes en moins. Les heures supplémentaires payées en fin d'année. L'autre solution, le Lido ferme 2 semaines l'été, 2 semaines l'hiver, ce qui fait une perte de 22% de salaire. Donc, plus de CDD, d'intérimaires et plus d'intermittents de spectacle. Et tout ça se passe pendant la fermeture due à la pandémie pour nous empêcher de nous défendre. Les DP vont signer cet APLD alors qu'ils devraient être de notre côté pour refuser ce plan déguisé de licenciement. Ils nous disent qu'on ne sera pas licencié, mais moi je n'y crois pas. Vu ce qui se passe dans toutes les sociétés, mon avenir à 52 ans, c'est quoi? Me former? Pour rien derrière? Une collègue me disait, pensez comme moi, et elle m'a dit de chercher une formation qui dure dans le temps pour éviter le licenciement. Avec la pandémie, combien de licenciements y a-t-il en France? Macron, nous sommes en guerre et pour combattre cette politique avec les camarades du bureau de liaison constitué lors de la rencontre nationale pour l'interdiction des licenciements le 19 septembre 2020, nous avons lancé un appel à une deuxième rencontre le samedi 21 novembre 2020, unité pour l'interdiction des licenciements. Bonjour. Mon métier consiste à accompagner des élèves en situation de handicap. J'ai pris mes fonctions en septembre 2007, suite à une annonce de Pôle emploi qui effectuait un recrutement massif. Ça correspond à l'arrivée de Macron, qui s'était alors engagé à faire du handicap une priorité. Encore une promesse non tenue. J'aime ce métier. Le travail est prenant, intéressant, émouvant parfois. J'accompagne un petit garçon de 8 ans. Pour suivre en classe, il a besoin de rituels. Avec son instit, on a mis en place des supports visuels de différentes formes et couleurs. Un emploi du temps à la semaine, il coche après chaque activité. Ça le rassure. Il ne demande plus « qu'est-ce qu'on fait après ?» Le moindre changement le perturbe. Je dois parfois le calmer, l'entourer de mes bras. Je peux être amenée à le maintenir avec force pour éviter qu'il se blesse. Heureusement pour moi, c'est un petit gabarit. Ça le fait rire de remonter mes lunettes quand elles glissent sur mon nez. Maintenant, il s'amuse à descendre mon masque pour me souffler au visage. Pour certains accompagnements, l'ASH est en contact physique permanent avec l'élève. Je n'ai pas de problème avec ça, mais actuellement, le contexte de l'épidémie de Covid m'amène à prendre davantage de précautions. À l'école, le masque est désormais obligatoire dès 8 ans. Pour la rentrée de la Toussaint, Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a rassuré certains parents en parlant d'une dérogation au port du masque sur certificat médical. Cette dérogation concerne notamment les enfants autistes. Cette mesure semble humaine. Elle serait bonne si elle était assortie d'une protection supplémentaire pour les accompagnants. Nous avons un besoin impératif de masques renforcés, de visières, de surblouses et de gants. En temps habituel, cet équipement nécessaire devrait être fourni par l'Éducation nationale. Avec la pandémie, le manque devient dangereux. Les AESH se retrouvent face à un dilemme. Soit ils acceptent de travailler sans protection et prennent des risques pour leur santé et celle de leurs proches, soit ils refusent en utilisant leur droit de retrait. Dans ce cas, l'élève privé d'accompagnement ne pourra pas suivre en classe.
Puisque la distanciation sociale n'est pas possible, faute de locaux suffisants, l'éducation nationale doit assurer en urgence la protection sanitaire du personnel des élèves et des élèves par la fourniture gratuite de masques. Dans la tribune des travailleurs, numéro 261, un camarade raconte comment, grâce à un enseignement adapté, il a pu devenir un travailleur qui participe à la société, qui paye ses impôts. Oui, l'instruction des enfants handicapés doit être considérée comme un investissement sur l'avenir et non comme un coût pour l'éducation nationale. Aujourd'hui, être AESH, c'est percevoir un salaire ridicule qui décourage, une formation insuffisante qui peut nous mettre en danger si nous n'adoptons pas l'attitude adéquate avec certains enfants, une précarité économique et sociale. Alors, sous couvert de simplification, Blanquer a instauré des PIAL, qui sont en fait une économie de moyens. La mutualisation des AVS ou AESH conduit peu à peu à la disparition des accompagnements individuels. Ainsi, certains accompagnent jusqu'à 7 enfants pour quelques heures dans des écoles différentes. Un enfant peut être aidé par plusieurs AESH à différents moments de la journée. L'école doit permettre l'égalité d'accès à l'instruction de tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap. Pour ce faire, il faut réquisitionner une bonne partie des 560 milliards donnés aux banques et établir un budget conséquent de l'éducation nationale pour embaucher, former, rémunérer décemment tous les personnels. Les AESH réclament un véritable statut, un salaire correct et une formation professionnelle de qualité. Il faut, avec le budget conséquent, on pourrait rouvrir les écoles fermées afin d'avoir des classes à petits effectifs. Pour imposer ces solutions conformes aux intérêts des jeunes et de la population, il faut l'unité des travailleurs et de leurs organisations. Unité pour chasser ce gouvernement, unité pour un gouvernement ouvrier. Merci. Est-ce que c'est à moi de parler? Oui? D'accord. Bon, chers camarades, au moment où je vous parle, Joe Biden n'a pas encore été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, bien que sa victoire soit pratiquement assurée. La victoire de Biden, avec environ 75 millions de voix, représente un rejet massif de Trump et de sa politique. Ce vote contre Trump est l'expression dans l'arène électorale de la révolte massive des enseignants contre la volonté de Trump de détruire l'enseignement public. C'est l'expression de 24 millions d'Américains qui sont descendus dans la rue pour protester contre l'assassinat de George Floyd par la police. C'est l'expression de la colère face à la mort de 240 000 Américains du COVID-19, l'expression de millions de personnes opposées à la mise en cage des enfants immigrés, et bien d'autres choses encore. Le principal message de la campagne de Biden est qu'il s'est présenté comme un rassembleur. Il s'est présenté comme quelqu'un qui peut rassembler à nouveau les démocrates et les républicains. Quelqu'un qui peut rassembler les travailleurs et les patrons pour reconstruire l'économie dans l'intérêt de tous les Américains. Quelqu'un qui sera capable, dit-il, de restaurer l'image des États-Unis dans le monde. De nombreux analystes ont souligné le fait que le vote des Noirs pour Biden représente le double de celui qu'avait obtenu Hillary Clinton en 2016. C'est vrai, mais dans aucun secteur de la classe ouvrière noire, il n'y a eu d'enthousiasme à voter Biden, qui est largement considéré comme l'architecte des politiques qui criminalisent les Noirs. Biden n'est pas l'ami des Noirs, a déclaré une femme âgée de Maryland, l'interviewée sur PBS TV, qui n'avait jamais voté lors d'une élection. Mais cette fois-ci, a-t-elle dit, j'ai dû voter pour Biden. C'était une question de survie pour moi et ma famille. Cela dit, il est impossible d'ignorer le fait que les démocrates espéraient une victoire écrasante contre Trump, et que cette victoire écrasante n'a pas eu lieu. Les démocrates n'ont pas réussi à reprendre le Sénat ni à augmenter leur majorité à la Chambre de représentants, comme ils avaient prévu.
Les démocrates ont été stupéfaits. Cela a ouvert une crise majeure au sein du Parti démocrate, l'aile modérée, reprochant à l'aile progressiste d'être trop socialiste, et de l'autre côté, les soi-disant progressistes reprochant aux modérés de ne pas avoir articulé un programme cohérent. Bien entendu, aucun des deux ailes du Parti démocrate n'est capable de tirer la seule conclusion qui s'impose. Les deux partis, républicains et démocrates, sont financés et contrôlés par les mêmes intérêts financiers et patronaux. Il faut rompre avec ces partis. C'est pourquoi Socialist Organizer, dont l'organisation dont je fais partie, n'a pas appelé à voter pour ni pour Biden ni pour Trump, tous deux candidats de la classe capitaliste. Nous avons soulevé la nécessité d'un Labour Party, c'est-à-dire un parti ouvrier appuyé sur les syndicats, et d'un parti des travailleurs noirs lié à la lutte pour un Labour Party. En septembre, nous avons organisé une conférence ouvrière et noire à laquelle ont participé plus de 200 syndicalistes et militants noirs de tout le pays afin de tracer la voie à suivre pour la présentation de candidatures ouvrières indépendantes au niveau local. Nous avons appelé à mettre en œuvre les deux résolutions adoptées par le congrès de la centrale syndicale AFL-CIO en octobre 2017 qui souligne la nécessité de rompre avec la politique du moindre mal, c'est-à-dire de rompre avec la politique de subordination des syndicats au Parti démocrate. Nous avons mis en avant une plateforme de combat avec les revendications suivantes, par exemple, un système de sécurité sociale single payer, comme celui que vous avez arraché en France, pas de coupes budgétaires dans les services sociaux, pas de licenciement pour rembourser la dette capitaliste, un programme de travaux publics à grande échelle pour donner du travail aux 30 millions de chômeurs, le financement massif des hôpitaux, des équipements de protection adéquats à la recherche pour lutter contre le fléau du Covid-19, qui a coûté 4 fois plus de vies que le nombre de soldats américains morts au Vietnam. La réquisition du budget attribué à la police pour affecter ces fonds à des programmes et des services sociaux. Black Lives Matter. Aucun arrêt immédiat des expulsions des travailleurs immigrés sans papier, fermeture des centres de rétention et abrogation du nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. L'argent public pour les emplois, pas pour la guerre. Toutes ces mesures politiques sont celles qu'aucun des deux partis jumeaux de la classe capitaliste ne peut ou ne veut adopter. Si Biden sera certainement déclaré vainqueur, cela ne signifie pas que la question du transfert du pouvoir est réglée. Loin de là. Donald Trump a fait une déclaration au lendemain de l'élection du 3 novembre, qu'il a répété d'ailleurs hier soir, qui a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Si vous comptez les votes légaux, a-t-il dit, je gagne l'élection, facilement l'élection. Si vous comptez les votes illégaux et tardifs, ils peuvent nous voler l'élection et moi, je n'accepterai pas. Donald Trump Jr. est allé plus loin en proclamant que nous devons nous battre jusqu'à la mort, c'est une guerre totale. Nous ne pouvons pas sous-estimer la gravité de ces menaces, aussi farfelues que soient les allégations portées par Trump sur les prétendus votes illégaux. Trump a juré de ne pas concéder l'élection. Il intente des centaines de procès, espère que la Cour suprême le sauvera. Il est loin d'être évident que Trump arrivera à quelque chose avec ces allégations. Le consensus au sein de l'establishment politique est que Trump n'a pas de motif pour porter ses plaintes. Des personnalités républicaines du Parti républicain de premier plan, y compris d'anciens candidats à l'élection présidentielle, se détachent de Trump. Certains proposent de rencontrer Biden pour lui proposer des noms de membres d'un futur gouvernement, d'un futur secrétaire d'État, qui pourraient être soutenus
par les démocrates et par les républicains. Et Biden, d'ailleurs, hier soir, a dit qu'il était ouvert à cette proposition. L'aile dominante de la classe capitaliste a fait savoir qu'elle préférait voir Trump faire ses valises et quitter la scène pacifiquement. C'est la stabilité des institutions politiques du capitalisme que Trump perturbe. Et c'est cela qui est en jeu. En outre, une administration Biden encadrée par un Sénat républicain et par la recherche de Biden de guérir les plaies de la division avec les républicains pourrait bien être ce dont Wall Street a besoin pour assurer l'adoption des coupes budgétaires draconiennes nécessaires pour rembourser la dette croissante et ouvrir la voie à une nouvelle reprise sans emploi qui remplira les poches des patrons et des banquiers. Mais Trump et ses larbins semblent avoir d'autres idées en tête et nous ne pouvons pas exclure une situation très chaotique dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Un secteur important du mouvement syndical américain, ainsi que des organisations des mouvements noirs et latinos, ont pris position ferme pour combattre toute tentative de Trump de voler l'élection. Des centaines de résolutions et de déclarations syndicales ont été adoptées pour s'opposer à ce coup d'État programmé, beaucoup appelant à des grèves sectorielles et même à une grève générale si Trump s'engageait dans cette voie. Dans la journée d'aujourd'hui, samedi 7 novembre, des rassemblements et des marches organisées par les syndicats, les directions syndicales, auront lieu dans tout le pays pour défendre le droit démocratique de vote, pour exiger que prendre en compte chaque vote n'est pas promouvoir un coup d'État comme a osé le déclarer Trump. Dans la région de la baie de San Francisco, un rassemblement et une grande marche se tiendront dans le centre-ville de San Francisco cet après-midi. Les 5 conseils syndicaux de la FLCIO de la région, la première fois d'ailleurs qu'ils le font, appellent à les travailleurs à se mobiliser pour défendre le droit démocratique de vote. C'est au mouvement ouvrier, nous l'avons dit, de défendre les conquêtes démocratiques constamment bafouées et remises en cause par la classe capitaliste. Nous vous tiendrons informés de nos activités par le biais de la Tribune des travailleurs. Je vous remercie de votre attention. Avant de présenter les camarades qui prendront la parole ensuite, je voudrais vous lire l'intervention qui avait été préparée par Samy, qui a 20 ans, qui est l'un de ces nombreux livreurs à vélo dans ce domaine qui se développe en ce moment et qui, précisément en rapport avec son travail, s'est vu au dernier moment dans l'impossibilité d'intervenir. Voilà ce qu'il voulait nous dire. Je suis dans l'obligation de devoir bosser pour une plateforme faute de mieux. Il y a peu de commandes sur cette plateforme. Je gagne rarement plus de 100 euros par semaine. Voici un exemple. Le deuxième jour du couvre-feu, j'ai été connecté 12h40 sur la plateforme. J'ai touché 4,30 € pour une seule course et j'ai été verbalisé par les policiers qui ne voulaient pas croire qu'on pouvait travailler à ce prix-là. J'ai pris 135 € d'amende pour non-respect du couvre-feu, alors que j'étais sur mon lieu de travail, une station Vélib. 135 €, c'est ce que je gagne en environ une semaine et demie, en étant connecté plus de 9 heures par jour. Autre exemple, je réalise une commande en temps et en heure d'après la plateforme, mais le client me dit que je suis une heure en retard. Résultat, mauvaise note et course non facturée pour moi, c'était du travail gratuit. Et c'est un travail souvent pénible, la plateforme qui m'emploie n'accepte que le vélo pour les coursiers, je suis cycliste. Mais parfois c'est difficile, voire dangereux, de nombreuses règles nous sont imposées. Mais eux ne respectent pas leurs promesses. On nous vend qu'on sera notre propre patron, qu'on vendra dans un petit rayon, mais la vérité, c'est qu'on attend parfois des heures pour une seule commande, y compris en attendant aux zones recommandées par la direction. De plus, il est impossible de prendre contact avec eux. On tombe sur un serveur automatisé. C'est bien pour les petits problèmes du type commande endommagée, mais pour les discussions importantes comme pour les conditions de travail, impossible.
Il faut bien comprendre la précarité de ce travail. Auto-entrepreneur, ça veut dire pas de garantie et pas de paye quand on est malade. À ça, il faut ajouter que beaucoup de livreurs, les plateformes le savent bien, sont sans papier, c'est-à-dire pas de sécurité sociale. Avec le retour du Covid et du confinement, on comprend que c'est particulièrement difficile. On est en première ligne, mais à part des applaudissements hypocrites, le gouvernement au service des patrons et des plateformes ne nous accorde rien. Alors être livreur et auto-entrepreneur, ça signifie être privé du statut de salarié, donc privé de tous les droits qui s'y rattachent. Pour se défendre, les livreurs cherchent à s'organiser de manière indépendante, souvent plateforme par plateforme, pour gagner sur des revendications particulières, ce qui est bien. Mais poser la question des droits, c'est poser une question politique. C'est politiquement que les livreurs doivent s'organiser. Pour améliorer nos conditions de travail et de vie, pour ça, il n'y a pas de raison de le faire séparément du reste des travailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre la parole à ce meeting. Vont maintenant s'exprimer Martine Lepoire, qui est agente à la ville de Paris, Isabelle Roudil, qui est syndicaliste dans le domaine de l'action sociale, dans le secteur de l'aide à domicile, Camille, qui est lycéenne, puis Sandra Swartz, qui est mère de famille. Je suis une agente de la ville de Paris au service facturier SFAC et j'ai pu bénéficier du télétravail pendant le premier confinement. Pour beaucoup de collègues, le travail pendant le confinement s'est fait avec beaucoup de soucis, de dysfonctionnements. Il n'y a eu aucune reconnaissance. Vous étiez à la maison, nous a-t-on rétorqué. De retour au bureau, j'ai pu me rendre compte en discutant avec des collègues de différentes directions que l'attribution du nombre de jours de télétravail était soumise au bon vouloir de la direction, voire de chaque service. À la suite d'une réunion organisée par la CGT et FO sur le télétravail, il a été décidé de déposer un préavis de grève et de porter nos revendications à la hiérarchie, qui sont la prime de 330 euros et de pouvoir bénéficier des mêmes conditions de télétravail que les autres services. Il y eut beaucoup de solidarité au début du mouvement. Après une deuxième journée de grève, nous avons enfin obtenu satisfaction sur le télétravail, mais pas sur la prime. À la dernière AG, nous avons décidé d'aller sur le parvis de l'hôtel de ville avec les agents d'autres services. On s'est rassemblés le 6 octobre pour réclamer 330 euros pour tous ceux ayant télétravaillé. Une conseillère municipale, Madame Simonet, est venue soutenir le mouvement. Elle a porté notre revendication au Conseil de Paris, qui a rejeté la motion à la majorité d'élus, notamment ceux de la majorité municipale. Pour sa part, le comité de Paris du POID a publié un tract qui stipulait qu'il apportait son soutien aux agents de la ville de Paris et à leur organisation syndicale. Oui, c'est par l'unité des agents, avec leur organisation, que nous pourrons gagner sur nos revendications. Je vous remercie. Bonjour, je veux vous parler du secteur social et médico-social et particulièrement de l'aide à domicile. Quand je parle de l'aide à domicile, je parle de ce secteur à but non lucratif qui emploie près de 250 000 salariés, 97% de femmes, dont la durée moyenne de travail est de 102 heures par mois. Nous intervenons auprès de publics fragiles. Notre métier, c'est d'intervenir au domicile. Ce domicile dans lequel nous voulons tous rester et qui amène les auxiliaires de vie à se déplacer d'un appartement à un autre, d'un quartier à un autre. Depuis de nombreuses années maintenant, la dépendance et la perte d'autonomie sont au cœur de nombreuses annonces, rapports et autres études lancées à grand renfort médiatique par les différents ministres en charge du sujet en France. Mais aujourd'hui, je me questionne sur l'avenir des professionnels de l'aide à domicile dans le contexte politique et sanitaire que nous traversons. Pour preuve, les financeurs du secteur, l'État et les conseils départementaux, se sont renvoyés la balle de la prime Covid durant plusieurs mois, sous les yeux médusés des salariés qui n'ont jamais cessé d'intervenir dans des conditions de sécurité inexistantes lors de la première vague de la Covid. Au final, les aides à domicile ont bénéficié d'une prime d'un montant très variable, allant de 54 cents à 1 500 euros. Le versement de la prime dépendant du bon vouloir du département et des choix budgétaires. À ce jour, encore une vingtaine de départements n'ont pas débloqué de fonds pour reconnaître le maintien de l'activité par les intervenantes à domicile. Malgré la récente augmentation de salaire de 12 centimes de l'heure, nous sommes très loin d'une reconnaissance salariale. En effet, un tiers de la grille indiciaire de notre catégorie d'agents à domicile
restent sous le SMIC et les agents à domicile sont les salariés les plus nombreux. Dans ces conditions, même les plus expérimentés et les diplômés jettent l'éponge et quittent le secteur associatif et ses valeurs dans lesquelles elles ne se retrouvent plus. Ces conditions de travail déplorables qui s'aggravent tous les jours et ce mépris dont je viens de vous parler doit nous questionner sur la prise en charge des personnes fragiles dans notre société. Quels accompagnements au quotidien, quelle qualité de prise en charge et donc quelle qualité de vie nous envisageons pour nos aînés, pour les personnes en situation de handicap ou les familles en difficulté. Ça, c'est la situation. Mais attention, il y a des signes qui ne trompent pas. Avant-hier, il y avait une journée d'action à l'appel des fédérations syndicales FO, notamment de la santé et de mon secteur, l'action sociale. Il s'agissait de revendications salariales liées aux 183 euros du Ségur. Des rassemblements ont eu lieu à Clermont, Rennes, Saint-Brieuc, Chambéry et ailleurs. Drôle de rassemblement. Ils étaient autorisés, mais nous n'avions pas le droit de nous y rendre sans risquer une amende. Des salariés non syndiqués se sont joints à ce mouvement. Indignés par le confinement, ils se sont même rendus au rassemblement, bravant le fait qu'on ne pouvait pas formellement s'y rendre. Il y avait beaucoup de jeunes et de collègues qu'on n'a pas l'habitude de voir. De même, les pétitions syndicales sont signées plus facilement et plus massivement qu'en d'autres périodes. Pour moi, cette mobilisation dont personne n'a parlé est un petit signe, mais un signe important. Les bagarres sont devant nous. Merci. Bon bah bonjour, donc je m'appelle Camille, je suis donc lycéenne, je ne sais pas si on m'entend. Allô ? Oui. Ben, je sais, ben, ça y est, elle est ouverte, ma caméra. Mais... On t'entend. Ok, c'est bon. Parfait. Bon, alors, oui, donc je me présente, je m'appelle Camille, je suis donc lycéenne, j'ai 17 ans, et donc j'aurais aimé intervenir par rapport du coup à la crise sanitaire et les conséquences que ça a sur les lycéens, et donc dû à la mauvaise gestion de la crise. Donc, depuis la rentrée, pour ma part, dans mon lycée, on fait les cours du coup avec donc le dédoublement des classes, donc c'est-à-dire qu'on est en alternance. Alors il y a la moitié du coup du lycée qui aura cours le lundi, mardi, mercredi, puis l'autre moitié le jeudi, vendredi et la semaine d'après ça s'invite. Donc sauf que ce qui est assez stupide un peu quand même dans la dans la manière on s'est fait, c'est que du coup, il y a quand même 50% des cours qui sont enlevés, ce qui signifie que soit on va reprendre, enfin, on va prendre plutôt du retard sur le programme, ou soit on va être obligé de travailler à la maison, ce qui est quand même assez compliqué. Et donc, ça pose d'autant plus problème quand on apprend que nos E3C sont annulés et que du coup, la quasi-totalité de notre bac se fera par contrôle continu. Et donc la seule solution qui aurait été envisageable pour permettre une préservation de notre santé et le suivi de nos cours, ça aurait été donc d'obtenir des fonds de la part du gouvernement permettant d'embaucher massivement, comme ça a été fait en Italie, ou mettre des locaux à disposition pour les classes, installer des classes temporaires, par exemple des préfabriqués. Mais notre gouvernement a donc préféré verser 560 milliards aux banques et aux patrons plutôt que de les mettre à disposition des hôpitaux ou de l'éducation nationale. Il revient donc de toute urgence aux enseignants et aux élèves de s'organiser pour arracher nos revendications sanitaires et éducatives. Et comme on a pu le lire sur une pancarte lycéenne pendant les manifestations, on veut le bac et pas le corona, c'est ce qui résume assez bien donc les attentes lycéennes. On veut juste un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que notre gouvernement actuel n'ira pas dans ce sens. Et c'est pourquoi, à Jeunesse Révolution, on pense qu'il est temps de renverser le gouvernement et de mettre en place un gouvernement de travailleurs qui seul sera capable de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver le droit des lycéens. Merci beaucoup. Okay. Bonjour à tous. Donc, je suis mère célibataire dans une cité populaire de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Notre parti parle souvent de l'union sacrée. Je ne savais pas très bien ce que cela voulait dire. Donc, j'ai cherché à savoir et j'ai consulté quelques livres. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle des millions d'ouvriers sont morts, le président de l'époque, Raymond Poincaré, expliquait:
Dans la guerre qui s'engage, la France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi, l'union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. Aujourd'hui, il voudrait qu'on soit tous dans la même foi avec Macron. Mon fils a 10 ans et est en CM2. Comment je pourrais être dans la même foi avec ceux qui organisent la désinstruction de nos enfants? Qui les met en danger en ne prenant pas les mesures sanitaires nécessaires qui les sacrifient sur l'autel de la finance? Nous revendiquons et combattons pour des mesures d'urgence afin de sauver nos enfants et qu'ils aient un avenir. Dans ma commune de Clichy-la-Garenne, il y a un projet qui dure depuis plusieurs années de fermer deux hôpitaux, Beaujon à Clichy et Bichat dans le 18e arrondissement, pour en ouvrir un à Saint-Ouen. Nous avons toujours combattu ce projet. Les syndicats ainsi que de nombreux élus se sont prononcés contre. Nos camarades hospitaliers qui travaillent à Beaujon et Bichat nous expliquent toute l'horreur de ce qui est en train de se passer tous les jours. Tous les lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Comme il n'y en a pas assez, on ferme des blocs opératoires pour accueillir de nouveaux patients. La conséquence, on déprogramme des opérations qui nécessitent d'être hospitalisées au minimum 3 semaines en soins critiques avant d'être transférées dans des lits d'hospitalisation conventionnels. Ce sont des pertes de chance pour les autres patients non Covid. Notre point de vue est simple. Tout de suite, Beaujon et Bichat doivent être rénovés. Tout de suite, le troisième hôpital doit être construit. La population, les médecins, les patients en ont besoin. Il en va de la survie de tous. Il faut que vous sachiez que Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, organise en pleine pandémie une réunion de la semaine prochaine sur le futur hôpital, ce qui signifie fermer Beaujon et Bichat. Nous le disons, il faut non seulement maintenir les deux hôpitaux et construire tout de suite le troisième sur le terrain qui a été libéré et donc disponible pour cela. Le coût de la rénovation de Beaujon et Bichat a été estimé à moins de 500 millions d'euros, soit un millième des 560 milliards distribués aux banques. Et pour le troisième hôpital, c'est 1 milliard, soit 2 millièmes. Aujourd'hui, il suffit de prendre 3 à 4 millièmes du pactole distribué aux banques et aux capitalistes. Les deux hôpitaux sont là. Toutes les infrastructures alentours sont là. La ligne 14 a été prolongée au pied du futur hôpital. Alors oui, qu'ils rénovent tout de suite Beaujon et Bichat, qu'ils construisent tout de suite le troisième hôpital. Voilà les mesures pratiques et concrètes que devrait prendre un gouvernement au service de la population. C'est sur cet objectif que notre parti combat. Je vous remercie. Une dernière série d'intervenants. D'abord, Dominique Le Monaco, syndicaliste aux finances publiques. Puis Latifa, aide-soignante, syndicaliste et adhérente du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Constantin, syndicaliste à Biocop. Et enfin, Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID, qui clôturera ce meeting. Bonjour, je suis militant du POID en Isère dans le comité de la vallée du Grésivaudan, où existe une grande association ouvrière autour des industries de la métallurgie, de la papeterie et aujourd'hui des nouvelles technologies. L'Union locale CGT de cette vallée est une des unions locales les plus actives de l'Union départementale CGT de l'Isère. Pour connaître de nombreux militants de cette union locale et de l'Union départementale CGT, l'unité de leur organisation syndicale est au cœur de leurs préoccupations. En 1895, le Congrès de Limoges, constitutif de la Confédération générale du travail, adopte la charte d'Amiens qui stipule « La CGT regroupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Plus que jamais, ces lignes sont d'actualité.
La place et le but à atteindre des syndicats ouvriers CGT doivent être défendus. Bien sûr qu'il y a et qu'il doit y avoir de nombreuses discussions sur la stratégie syndicale au plan local, départemental, professionnel et confédéral. Je n'ai jamais caché mon point de vue, mais en ayant à chaque fois la volonté de renforcer notre CGT. Et pour moi, la place centrale est celle des instances, en commençant par réunir les syndiqués sur le terrain que constitue la CGT. J'ai par exemple défendu la nécessité que la Confédération engage une campagne publique contre les 560 milliards donnés aux capitalistes et aux banquiers et que ces sommes soient affectées pour défendre l'emploi, la santé et l'école. Depuis plusieurs mois, des initiatives diverses à l'intérieur de la CGT ou à l'extérieur de celle-ci sont prises. Elles apparaissent reliées à des jeux politiques, loin des préoccupations des salariés et des syndiqués. Cela se traduit par une déstabilisation des militants. À un moment où les attaques contre les intérêts et les acquis de la classe ouvrière sont d'une extrême violence, à un moment où les travailleurs ont impérativement besoin de syndicats ouvriers forts et unis pour défendre leurs revendications, que ce soit dans les entreprises, au niveau des champs professionnels et également sur tout ce qui relève de l'action interprofessionnelle, l'unité sur les revendications et la démocratie ouvrière doit l'emporter. Il est évident que la dissolution de la CGT porterait un coup aux travailleurs, aux militants, et seul le gouvernement et les capitalistes pourraient s'en réjouir. Faudrait-il qu'à l'intérieur du syndicat, des forces politiques règlent leurs tensions et désaccords? Non, le syndicat CGT, tous les syndicats CGT doivent appartenir aux syndiqués. Ce qu'attendent les syndiqués, c'est une CGT unie pour défendre les revendications des salariés. Oui. Donc, bonjour, militante syndicale. Bonjour, militante syndicale et adhérente ProID. Je suis aide-soignante en EHPAD et en milieu hospitalier. Donc, je suis une habitante du quartier de Bourgard à Nemours dans le 77 depuis 34 ans. Je suis née et j'ai grandi dans ce beau quartier. C'était un quartier où il faisait bon vivre. Il y avait des animations jeunesse, des fêtes à thème, la fête foraine, des compétitions de pétanque où des gens venaient de tout part. Dommage, tout a disparu car on nous a plus donné les moyens. On nous promettait des choses qui ne sont pas faites. Depuis quelques années, cela s'est dégradé. Nous sommes abandonnés. Nous n'existons pas. Au vu de la municipalité de Nemours et les bailleurs HLM Habitat 77, les logements se dégradent. Moisissures, fissures, infestations de cafards, fuites dans les plomberies, salles de bain, WC, cuisine, les chauffe-eau qui ne marchent pas correctement. Manque de chaleur par le dysfonctionnement du chauffage ou les courants d'air des fenêtres vétustes. Les extérieurs laissent à désirer, l'herbe est non tondue, pas de jeu dans les parcs pour les jeunes enfants et pas de salle pour les adolescents qui squattent les caves à défaut. Nous sommes malades constamment, enrhumés, asthmatiques, les enfants ne peuvent pas jouer en sécurité, ils jouent dans les rues et parkings. Les enfants ne peuvent pas s'épanouir dans ce milieu qui leur est hostile. Malgré les plaintes individuelles des habitants auprès de la municipalité et du bailleur, nous ne sommes pas entendus et rien ne bouge. Les problèmes continuent à s'accumuler et s'aggravent. C'est épuisant de vivre dans ces conditions vicieuses qui nous mettent tous en danger. Oui, nous sommes en danger, c'est pourquoi avec quelques mères et grand-mères, nous avons décidé de nous prendre en main avec le soutien du parti POID. Il nous apporte beaucoup de conseils et nous aide à nous organiser. Nous avons fait une pétition des femmes travailleuses et des maris des femmes travailleuses du quartier de Bourgard qui a déjà recueilli plus de centaines de signatures. Les habitants l'ont signé, nous ont signalé leurs problèmes et certains apportent des documents, photos, témoignages. À présent, nous sommes en train de rédiger les deux lettres qui seront adressées à la mairie de Nemours et Habitat 77 afin qu'ils reçoivent une délégation des femmes travailleuses de Bourgard et que nous leur remettons les signatures de nos pétitions.
Dans la pétition, nous avons tous détaillé ce que nous voulons pour l'avenir de ce beau quartier. Nous voulons un avenir prospère pour nos enfants et les générations à venir, qui soient en sécurité, épanouis et heureux d'y vivre. Voilà. Merci. Tu veux dire quelque chose, Pascal ? Non. Non. J'ai oublié d'annoncer l'intervention de Mathieu, syndicaliste à General Electric. Je répare donc mon erreur et je lui donne immédiatement la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Adam, je suis élu CGT sur le site de General Electric à Villeurbanne. Ce qu'il est important de retenir sur le sujet de General Electric et la vente d'Alstom, c'est qu'il s'agit d'un véritable scandale d'État. Il reste encore quelques zones d'ombre et les enquêtes sont encore en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État, et notamment le ministre de l'économie de l'époque, en 2014, a favorisé la vente d'Alstom à General Electric. Ce ministre s'appelait Emmanuel Macron et un de ses conseillers était Hugues Bellay. Une enquête concerne donc une éventuelle prise illégale d'intérêt, puisque Hugues Bellay est aujourd'hui directeur général de General Electric France. D'autre part, selon Olivier Marleix, qui préside l'enquête parlementaire sur la vente d'Alstom, les bénéficiaires de cette vente auraient potentiellement grandement contribué au financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Finalement, cette vente fut conclue avec quelques engagements de General Electric envers l'État français, et notamment la création de 1000 emplois en France. Cet engagement n'a pas été tenu et General Electric a dû payer l'amende qui était prévue, soit 50 millions d'euros. Mais dans le même temps, General Electric a reçu 200 millions d'aides publiques au titre du CICE et CIR, 70 millions pour l'achat de 4 turbo-alternateurs en 2016, de 10 millions pour un alternateur à Villeurbanne et j'en oublie sûrement. Bref, c'est un peu comme si je me faisais flasher par un radar et que je recevais une amende de 50 euros, mais avec un chèque de 300 euros. Non seulement je gagne de l'argent, mais en plus, puisque j'ai payé l'amende, j'ai gagné le droit de dépasser toutes les limitations de vitesse sur toute la France. Car depuis que General Electric a payé son amende, les licenciements sont désormais autorisés et gratuits. Et ils continuent. 2018, 345 postes supprimés à Grenoble. 2019, 485 postes à Belfort et à Chonas. 2020, 109 postes dans les fonctions informatiques. Et le prochain PSE prévoit en 2021 la suppression de 640 postes dans la branche grid et encore 89 postes sur le site de Belfort. Aujourd'hui, les salariés, les syndicats, avec l'appui de plus en plus d'élus locaux, se battent contre ces licenciements. Mais malheureusement, l'impact social sur ces suppressions de postes n'est qu'une partie du problème. Car avec ces postes, ce sont aussi des compétences qui partent, ainsi que le fruit de plus d'une centaine d'années de recherche et développement et de brevets français. Demain, la production et le transport de l'électricité en France sera peut-être aussi compliqué que l'approvisionnement des masques, et nous ne serons peut-être pas prioritaires en cas de forte demande. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce scandale, notamment sur Patrick Cron, l'ancien PDG d'Alstom, et le montant de sa retraite chapeau, ou Frédéric Perucci, ancien salarié d'Alstom, emprisonné dans une prison de haute sécurité aux États-Unis en 2014 pour faire pression sur la vente d'Alstom. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur General Electric, nous avons créé une petite chaîne YouTube, elle s'appelle simplement CGT GE Villeurbanne. Vous y retrouverez tous les liens vers notre site, le Twitter, etc., ainsi que les sources de cette vidéo. Nous avons également mis en ligne une pétition sur change.org qui s'appelle General Electric. La situation est grave, elle nécessite l'intervention de l'État. Merci pour votre attention et bon courage à tous. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, au nom des grévistes de Biocop, on voulait transmettre nos salutations les plus fraternelles à l'ensemble des camarades des différents secteurs qui sont présents dans ce meeting, parce que comme nombre d'entre vous, ça fait maintenant 9 mois qu'on vit, on travaille dans des conditions dégradées. À Biocop, qui est un réseau de 660 magasins en France, soi-disant l'entreprise de la distribution alimentaire la plus éco-responsable de France, on a travaillé pendant le confinement dans des conditions dégradées où on nous a imposé le fait de faire des livraisons à domicile sans être rémunéré plus, alors qu'on est des employés polyvalents. On travaille en magasin, en caisse, dans les rayons. On n'a pas eu de prime de 1000 euros. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie du confinement, on nous a annoncé la mise en vente des 2 magasins de notre franchise et aussi l'instauration du travail du dimanche pour maximiser les bénéfices de cette vente. Donc à Biocop, ça fait plus de 10 ans qu'il y a des grèves des magasins jusqu'aux plateformes de livraison, souvent pour les mêmes raisons, notamment le fait que les grilles de salaire ne sont pas respectées, les salaires ne suivent pas, les employés de magasins font des tâches systématiquement dégradées au-dessus sans être rémunérés à la hauteur de ces tâches. Et en fait, Biocop, plutôt que de faire respecter les mesures de sa charte sociale, a préféré tout simplement supprimer la grille des salaires
de sa charte et établir en fait un fonctionnement à la carte, c'est-à-dire que les franchises ont la liberté de choisir si elles mettent en place le travail du dimanche ou pas, si elles mettent des primes en place ou pas. Donc c'est vraiment au bon vouloir du patron. Donc notre patronne Catherine Chalom, qui est une ancienne manageuse de Renault, a décidé de mettre en place non seulement le travail du dimanche, mais aussi de vendre ces deux magasins. Donc nous, on a décidé de se rencontrer dès le 9 juillet entre salariés des deux magasins de cette franchise et de partir en grève autour de plusieurs axes. Déjà, la fermeture définitive le dimanche, parce qu'il nous semblait important de revendiquer le fait qu'on ne va pas sacrifier notre vie sociale pour assurer les profits de l'entreprise, mais aussi de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions de salaire. Donc cette grève, elle a duré 20 jours. Elle s'est étalée sur plus de 3 mois. Ça s'est terminé par une occupation qui nous permet aujourd'hui de revendiquer une victoire, notamment sur le travail du dimanche, puisque les deux magasins n'ouvriront pas, notamment aussi de meilleures conditions de travail, une augmentation de salaire. Mais cette grève s'est aussi soldée par 3 licenciements et 3 mises à pied conservatoires. Donc c'est une répression intense de ce mouvement de grève dans un secteur où, bien évidemment, le système de franchise fait qu'on ne peut pas avoir de section syndicale dans les magasins, puisqu'on est considéré comme des magasins indépendants, donc comme des boîtes de moins de 50 employés. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, ça va être évidemment de lutter contre ces licenciements, de les contester. Et en tout cas, cette victoire partielle, celle d'avoir pu lutter contre le travail du dimanche, c'est pas la victoire juste pour les salariés de deux magasins Biocoop, mais c'est une victoire pour l'ensemble du secteur. Ça montre que dans un secteur sans grande tradition de lutte ni de grande tradition d'organisation, on peut faire reculer les directions patronales. Et il y a plusieurs choses qui sont évidemment transversales dans cette grève, notamment la question écologique, puisque Biocoop se revendique comme étant l'entreprise la plus écolo dans le secteur de la distribution. Cette grève, elle aura montré en tout cas que le capitalisme vert, ça ne fonctionne pas. N'en déplaise au patron de Biocoop, n'en déplaise à Anne Hidalgo qui, avec sa majorité, a voté contre le vœu de soutien à notre grève au Conseil de Paris. Nous, on pense que l'écologie, elle ne pourrait être que révolutionnaire. C'est celle des travailleurs par les travailleurs, et cette grève, elle pose aussi la question de la jeunesse qui aujourd'hui se retrouve en première ligne face à la crise économique, puisque c'est un jeune sur 5 qui a perdu son emploi et aujourd'hui c'est un chômage de masse qui s'instaure. Donc ça va être primordial de soutenir notre caisse de grève pour aider aujourd'hui tous les camarades jeunes qui se sont fait licencier à l'issue de cette grève, les étudiants salariés qui se retrouvent licenciés parce qu'ils ont participé au piquet de grève, parce qu'ils ont osé prendre la parole sur les piquets, parce qu'ils ont participé à cette occupation pour gagner sur ces revendications-là. En tout cas, on pense que ça va être important que la jeunesse, les écologistes et le mouvement ouvrier traditionnel fixent un plan de bataille commun pour freiner les attaques du gouvernement et du patronat et imposer un réel rapport de force face à la bourgeoisie capitaliste. Merci les camarades. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la caisse de grève qui sera mis dans les commentaires sur YouTube. C'est important pour nous permettre de lutter contre la répression. Avant tout, je voudrais remercier tous les camarades et toutes les camarades qui ont pris la parole avant moi. Remercier en particulier les mères de famille et même leurs enfants qui ont fait irruption sur les écrans. C'est le Parti ouvrier indépendant démocratique tel qu'il est. Il n'est pas composé de professionnels de la politique. Il n'est pas composé d'habitués des médias. Il est composé de travailleurs, de travailleuses, avec leurs familles, qui vivent dans leur milieu, dans leur cité souvent, et qui, quand ils s'expriment au nom du parti, comme ils l'ont fait, comme elles l'ont fait, le font en même temps au nom de leurs collègues de travail, de leurs voisins, de leurs familles. C'est le PUID qui se construit comme parti ouvrier. Et c'est pas simple de prendre la parole aujourd'hui. D'abord, c'est pas simple de prendre la parole en général quand on est tout seul chez soi devant son ordinateur et qu'on sait qu'on s'adresse à des centaines, des milliers de collègues, de camarades qu'on ne voit pas. C'est pas simple de dire en quelques minutes la situation à laquelle on est confronté et en même temps les espoirs, les aspirations, ce pourquoi on est organisé. Et puis au-delà de ce meeting, c'est pas simple en général de vivre aujourd'hui avec
L'inquiétude qui grandit sur la pandémie. Chacun craint pour sa santé, pour son travail, pour la scolarisation ou la déscolarisation des gamins, pour ses parents, pour les rentrées financières. Oui, la situation est difficile. Et pourtant, tous les camarades qui se sont exprimés avant moi ont exprimé non seulement l'inquiétude, mais leur engagement dans le combat. Qui n'est pas l'engagement dans le combat des seuls adhérents du POID. Mais notre engagement dans le combat s'inscrit dans une situation d'ensemble où malgré les difficultés, malgré le confinement, malgré le fait que chacun est souvent isolé chez soi dans des conditions matérielles compliquées, il y a dans ce pays une volonté de résistance, un engagement au combat qui tend à s'imposer malgré ses difficultés et ses obstacles. Le camarade Alain Benjamin, qui a parlé tout à l'heure depuis les États-Unis, a évoqué ce mouvement formidable Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent. Mot d'ordre formidable, défi face à la police raciste et aux institutions racistes des États-Unis. Oui, les vies noires comptent et doivent compter aux États-Unis. Mais dans le monde entier, c'est l'exigence que toutes les vies comptent, je veux dire toutes les vies des travailleurs et des jeunes comptent. Et sous toutes les formes, la volonté d'agir exprime cela. Bien sûr, la volonté d'agir, l'engagement dans l'action se heurte à des obstacles, à des objections. Beaucoup de camarades s'en sont fait l'écho avant moi. Vous savez, la Tribune des Travailleurs est un journal particulier. C'est à la fois le journal du POID, puis c'est une tribune libre de la lutte de classe. Et de plus en plus nombreux sont les travailleurs et militants de toutes tendances qui, sans partager toutes les positions de la Tribune des Travailleurs, nous adressent leurs points de vue, leurs réflexions, leurs témoignages. Dans un document reçu hier, signé par le secrétaire général d'un syndicat CGT, d'un centre hospitalier universitaire en province, qui explique le drame de ce qui se passe dans son hôpital, je relève cette phrase. Il y a, dit-il, une volonté délibérée de ne pas embaucher. Je pense que cette formule est parfaitement juste. Il y a une volonté délibérée de ne pas embaucher. Et il faut que nous réfléchissions à ce que veut dire cette formule. Les camarades enseignants ont témoigné de ce que, dans les assemblées générales, quand certains ont dit « il faut dédoubler les classes » et que d'autres enseignants ont dit « d'accord, mais il faut recruter des enseignants », alors il y a eu des responsables pour dire « oui, ce serait bien, mais on ne peut pas. On ne peut pas recruter comme ça du jour au lendemain des enseignants. » D'autres ont dit « on ne peut pas faire sortir de terre des salles de classe qui n'existent pas. » Dans les hôpitaux, on a entendu également. Non, on ne peut pas ouvrir des salles de réanimation en l'espace de quelques jours. On ne peut pas former des soignants. Et on a le sentiment d'être confronté à un mur d'impossibilité. Mais le problème auquel les travailleurs sont confrontés, c'est que ce mur d'impossibilité, il n'est pas dressé seulement par le gouvernement au service des capitalistes, ce qui, cela, est normal. Mais ce mur d'impossibilité, il est dressé aussi par les responsables d'organisations politiques ou syndicales qui, en principe, sont censés représenter le point de vue des travailleurs. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas, nous dit-on, faire sortir de terre des hôpitaux, des salles de classe, on ne peut pas recruter. On ne peut pas ou on ne veut pas. Ce débat doit être porté dans les services, dans les ateliers, dans les bureaux, dans les salles de classe. On ne peut pas ou on ne veut pas. Ceux qui nous disent on ne peut pas et qui finalement exonèrent Macron de toutes ses responsabilités puisque le malheureux, il fait ce qu'il peut. Ceux qui nous disent on ne peut pas, n'utilisent-ils pas cette formule pour cacher qu'en réalité, ils ne veulent pas? J'ai sous les yeux le journal La Provence, quotidien régional, publié à Marseille et dans ses environs. Je lis ceci. Les morgues dans les hôpitaux marseillais sont déjà saturées. La vague du Covid submerge désormais les morgues hospitalières.
D'après nos informations, la possibilité de réquisitionner la patinoire de La Caplette, Marseille 10e arrondissement, pour y entreposer des corps, a été envisagée. Une telle mesure a été annoncée également à Alès dans le Gard. Elle pourrait être prise à Grenoble. En attendant, des solutions alternatives sont mises en place. Des camions réfrigérés ont été loués cette semaine pour permettre d'entreposer des corps à proximité de la morgue funéraire de la Timone. Camarades, il faut constater ce qui est. Quand on en arrive au stade où il y a trop de morts, alors on sait transformer des patinoires en morgues. Et on ne pourrait pas transformer les millions de mètres carrés inoccupés dans toutes les grandes villes en France en salles de classe. Et on ne pourrait pas transformer des enseignants contractuels qui ont été licenciés en début d'année par milliers en enseignants embauchés pour aider leurs collègues titulaires à scolariser les enfants, non pas un jour sur deux, mais en accomplissant tout le cursus. Et on ne pourrait pas faire sortir de terre des hôpitaux d'exception de campagne comme ça l'était fait dans nombre de pays, y compris des pays moins développés que la France. On peut transformer les patinoires en morgues, mais on ne peut pas transformer les bâtiments vides en hôpitaux annexes, en salles de réanimation annexes, en salles de classe. Cette question, nous ne la posons pas à Macron et au gouvernement. Nous savons qu'ils sont au service des capitalistes. Mais aux dirigeants des partis qui se réclament de la classe ouvrière, des partis qui ont été historiquement formés dans le parti ouvrier. Les 343 milliards d'euros que vous avez votés le 19 mars, on pouvait ou on ne pouvait pas ne pas les voter. C'était obligé de les voter. L'émotion était si grande, vous qui êtes des dirigeants politiques éprouvés, que saisi par l'émotion, vous êtes dit, on ne peut pas faire autrement que les voter, alors vous saviez pertinemment que ces 343 milliards étaient destinés à renflouer les capitalistes. Et le recrutement des enseignants. Comment se fait-il que vous ne preniez pas position pour le recrutement immédiat? Oui, des milliers de contractuels, des dizaines de milliers. Et puis aussi, des étudiants qui, à l'heure actuelle, sont en troisième, quatrième année, et qui pourraient, dans cette période d'exception, faire l'objet d'un recrutement provisoire, mais d'exception, qui peut-être demain d'ailleurs leur mettrait le pied à l'étrier pour devenir des enseignants titulaires. Et le drame du logement, camarades. Il est impossible, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, de réquisitionner des centaines de milliers de logements vides, des millions peut-être dans ce pays, que les spéculateurs mettent de côté en attendant des jours meilleurs. On ne peut pas faire autrement que de laisser loger dans des conditions indignes, insalubres, des centaines de milliers, des millions de familles ouvrières. On ne peut pas ou on ne veut pas. Alors nous disons les choses clairement. Ce qui manque dans ce pays, ou pour être plus précis, ce qui manque du côté des dirigeants qui se disent de gauche, qui se disent issus du mouvement ouvrier, qui se disent issus du mouvement démocratique, qui se disent progressistes, peu importe les étiquettes, ce qui leur manque, ce n'est pas la possibilité, c'est la volonté. Il leur manque la volonté parce qu'ils ont peur, de rompre avec les capitalistes et Macron. Ils ont peur de confisquer, ils ont peur de réquisitionner. Et ceux qui ont peur de réquisitionner, ceux qui ont peur de confisquer, ceux qui ont peur de s'en prendre aux intérêts des capitalistes ne mèneront jamais, ni aujourd'hui, ni demain, s'ils étaient élus, une politique conforme aux intérêts de la majorité de la population. Vous avez voté les 343 milliards. Et Renault s'en est saisi pour empocher 5 milliards et supprimer 4600 emplois. Vous avez voté les 343 milliards et Air France s'en est saisi pour empocher 7 milliards. Et supprimer 7500 emplois. Vous avez voté ces milliards en sachant pertinemment que l'argument du gouvernement selon lequel ils allaient relancer l'économie, c'est leur économie qu'ils ont relancée, leur profit, des centaines de milliards de profits supplémentaires qui ont surgi comme par enchantement dans ces mois de crise sanitaire terrible sur les places boursières de Paris, de New York, de Londres et du monde entier. Et pour arriver à ces profits, il leur faut détruire en masse les richesses, les emplois. On évalue à plus d'un milliard et demi d'emplois qui ont été supprimés à l'échelle de la planète dans les 9 derniers mois.
C'est la principale force productive qui est visée, la force de travail de l'ouvrier, du salarié. Alors oui, oui, il est temps, plus que temps, que vous, dirigeants qui vous dites de gauche, issus du mouvement ouvrier, progressiste, l'urgence est que vous rompiez cette union sacrée avec Macron. Certes, vous n'en prenez pas le chemin. On a vu encore la semaine dernière, dans le vote du renouvellement de l'état d'urgence sanitaire demandé par Macron, on a vu ce spectacle incroyable, des députés socialistes comme un seul homme voter pour la motion de Macron, des députés communistes dont une majorité l'a voté, à commencer par le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Et si les députés de la France insoumise ont voté contre cette motion, ce en quoi ils avaient parfaitement raison, leur porte-parole Adrien Quatennens a tout de même tenu à préciser dans ce débat que cela ne remettait pas en cause, je cite, « l'engagement de la France insoumise dans l'unité nationale avec le gouvernement et tous les partis ». Eh bien non. Celui qui veut défendre les intérêts des travailleurs et de la jeunesse ne peut pratiquer aucune unité, ni nationale, ni sociale, ni économique, aucune unité avec ceux qui détruisent les emplois et la société, aucune unité avec ceux qui sont de véritables prédateurs de la jeunesse quand ils décident la déscolarisation de la jeune génération, quand ils condamnent 2 millions d'étudiants à être chassés des amphis des universités, condamnés à étudier chacun chez soi avec une connexion informatique plus ou moins hasardeuse, sans accès aux bibliothèques universitaires. Non, il ne peut y avoir aucune forme d'unité avec ceux qui désespèrent la jeunesse, la privent de tout avenir et condamnent en particulier les jeunes issus des familles les plus modestes à renoncer à toute forme d'études. En toute démocratie, un gouvernement failli comme le gouvernement de Macron aurait dû être chassé depuis belle lurette. Un gouvernement aussi incompétent, non pas parce qu'il n'a pas les idées pour sauver la population, mais parce qu'il est au seul service de la minorité qui exploite, aurait dû être chassé en toute démocratie. Les partis qui prétendent incarner la démocratie et le progrès social auraient dû, depuis belle lurette, s'adresser à la population et dire « nous vous appelons à vous mobiliser partout, dans les usines, dans les quartiers, dans les entreprises. Formez vos comités d'unité pour chasser le gouvernement Macron. Formez vos comités d'unité pour imposer un gouvernement qui prenne les mesures d'urgence, de sauvegarde de la population et de la jeunesse, en commençant par réquisitionner, en commençant par confisquer. » Au lieu de cela, vote après vote, réaffirmation d'une union sacrée, la main sur le cœur. Et ceci a des conséquences, et les camarades l'ont dit. Ceci a des conséquences, y compris sur le mouvement syndical. Certes, les organisations syndicales, au sommet, avancent un certain nombre de revendications, et parfois ces revendications sont fort justes. Mais que font-elles pour les faire aboutir? N'y a-t-il pas urgence à l'unité des travailleurs et des organisations syndicales à tous les niveaux pour bloquer la politique de ce gouvernement, pour imposer la réquisition des 560 milliards, pour imposer l'interdiction des licenciements? N'est-ce pas le rôle des organisations syndicales de le faire? Et bien sûr, ça met en accusation le pouvoir personnel, celui de la Ve République, ce pouvoir autoritaire où le président Macron a tous les pouvoirs entre les mains, décide de tout. Oui, le POID milite pour que le pouvoir revienne à la majorité et que le pouvoir pris entre ses mains par la majorité soit exercé au service de la majorité. Cette majorité, c'est la classe ouvrière et la jeunesse, quelle que soit son origine, sa culture, ses références religieuses ou non. Il y a quelques semaines l'épouvantable assassinat de Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine. Le POID a immédiatement condamné cet assassinat, parce que rien ne peut justifier, quelle que soit l'idéologie dont se réclame son auteur, quelle que soit l'étiquette dont il s'affuble, rien ne peut justifier que l'on assassine un enseignant au seul motif qu'il a exercé son métier. Rien ne peut justifier qu'on assassine, à travers cet enseignant, le principe même de l'instruction publique, le principe de la liberté d'expression, de la liberté pédagogique, le principe de civilisation humaine. Mais lorsque Macron profite de la circonstance pour ressortir des tiroirs son projet de loi sur le prétendu séparatisme islamiste, les travailleurs sont en droit de dire « pas lui, pas ça ». Car enfin, les camarades Fabrice et Rachid ont parlé tout à l'heure de la plateforme aéroportuaire de Roissy. Sans doute beaucoup de camarades ne le savent pas,
Roissy, entre l'aéroport, les compagnies aériennes, la sous-traitance, l'entretien, c'est 100 000 emplois. Et un nombre important de jeunes issus de Seine-Saint-Denis travaillent sur la plateforme de Roissy. Oh, ce sont souvent des métiers parfois pas très qualifiés, avec des salaires souvent au lance-pierre, parfois au SMIC, mais ce sont quand même le plus souvent des emplois stables, des contrats à durée indéterminée. Et des milliers, des dizaines de milliers de jeunes issus de la Seine-Saint-Denis, dont Christelle rappelait que c'est le département le plus pauvre de France, sans doute celui qui a une des proportions les plus grandes de jeunes issus de l'immigration. Beaucoup de jeunes de Seine-Saint-Denis, en trouvant un emploi sur la plateforme de Roissy, trouvent le moyen de ne pas être condamnés au ghetto, trouvent le moyen de s'insérer dans la société. Et finalement, est-ce que la forme première, la forme la plus forte du combat pour l'égalité, pour la fraternité, est-ce que ce n'est pas d'abord d'avoir un emploi stable qui permet de vivre dignement? Or, que se passe-t-il à l'heure actuelle? Les camarades l'ont dit. On supprime des emplois par milliers avec la sous-traitance, des dizaines de milliers d'emplois sont menacés sur la plateforme de Roissy. Par ailleurs, comme pour travailler sur la plateforme, il faut disposer d'un badge. Dans le climat, de paranoïa générale, tout jeune originaire de l'immigration risque de se voir débadgé, de peur que peut-être il aurait un lien avec des terroristes. Elle est là la mécanique du séparatisme, camarade. Oui, l'emploi stable est à la base de l'égalité et de l'unité. De même que lorsque Blanquer décide de déscolariser les enfants pour la moitié du temps, ce sont d'abord les enfants des couches populaires qui sont déscolarisés. C'est eux qui risquent le plus de ne pas revenir au lycée, de ne pas revenir au collège. C'est là le séparatisme. Supprimer les emplois d'aéroport de Paris, faire sortir les mômes un jour sur deux de l'école, faire en sorte qu'il n'y ait plus de perspective d'emploi, dans le même temps où on supprime les centres médico-sociaux, les dispensaires, les centres de santé dentaire, où on ferme les uns après les autres les services publics, où on n'opère aucune rénovation des logements dans les cités HLM, il est là le séparatisme. Et ce n'est pas le séparatisme d'abord de telle ou telle secte de terroristes illuminés, bien que cela existe. C'est d'abord le séparatisme de l'État, le séparatisme de ce gouvernement et des précédents, qui à force de désertifier les banlieues, enferme les populations au lieu de leur permettre de s'ouvrir, de s'émanciper, d'accéder à l'égalité des droits à partir de l'emploi et des services publics. Alors nous disons, la société est dans une situation extrêmement dangereuse. Les revendications économiques aujourd'hui sont à la fois économiques et politiques. Oui, nous l'affirmons. L'interdiction des licenciements, le maintien des emplois, le recrutement massif des enseignants et des personnels d'entretien des collèges et des lycées, le dédoublement des classes en demi-groupes, la réquisition des millions de mètres carrés vides pour y installer d'urgence des classes, des écoles, des hôpitaux de campagne, des services de réanimation, la réouverture sans délai de tous les centres de santé, des crèches, des centres de PMI, des centres d'IVG fermés dans la dernière période, le plan de rénovation sans délai de l'ensemble des logements aujourd'hui insalubres et le plan de construction, ce sont des urgences sans lesquelles cette société va s'effondrer. Et ce plan d'urgence exige la confiscation des 560 milliards. Ce plan porte un nom. C'est un plan de rupture avec la situation qui est faite aujourd'hui à la classe ouvrière et à la jeunesse. C'est un plan de reconstruction de l'économie au service de l'immense majorité. C'est un plan de réorganisation de la société tourné vers la satisfaction des besoins humains et non pas vers la satisfaction des profits. Et pour cela, bien sûr, cela exige que soient balayées ces institutions au service de la classe capitaliste et qui piétine la démocratie. Cela exige l'Assemblée constituante et le gouvernement ouvrier. Qui l'imposera? Les travailleurs et les jeunes l'imposeront par leur mobilisation, entraînant avec eux leurs organisations syndicales dans le combat pour les revendications, comme ils le font d'ores et déjà aujourd'hui. Et beaucoup de camarades en ont témoigné dans différents secteurs professionnels. Ce sont les travailleurs qui, par eux-mêmes, par leur mobilisation, imposeront ces solutions. Ce n'est pas facile, c'est certain. C'est très difficile, ça ne fait aucun doute. Mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui entraînés apportera avec elle bien plus de souffrances, bien plus d'impossibilités,
bien plus de drames dans tous les domaines, et les camarades qui ont pris la parole avec moi, avant moi, en ont, je crois, illustré un très large éventail. Alors, comme l'a dit le camarade qui parlait tout à l'heure, on peut les faire reculer. On les a fait reculer dans telle grève ou dans telle autre. On les fera reculer sur la totalité. Ça prendra le temps que cela prendra. Mais le combat pour l'unité, le combat pour la satisfaction des besoins de l'immense majorité dans lequel les adhérents du POID sont engagés, vise précisément à imposer ce recul. On nous a donc empêchés de manifester aujourd'hui. Mais vous qui avez participé à ce meeting, vous pouvez manifester en tout cas votre soutien à ce qui s'y est dit. Vous pouvez manifester votre soutien puisque sur le site de la Tribune des Travailleurs, vous avez la possibilité d'exprimer votre volonté de rejoindre les rangs du Parti ouvrier indépendant démocratique. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la Tribune des Travailleurs, dont vous savez la place qu'elle occupe dans la situation, ou encore d'apporter un soutien financier. Bref, multiples sont les formes par lesquelles, si vous partagez ne serait-ce qu'en partie les objectifs exposés ici, vous pouvez prendre votre place dans ce combat. Ce à quoi nous vous invitons, c'est un combat et rien d'autre. Il n'y a rien à en tirer. Autrement que le fait de s'associer au combat d'émancipation. Il est ingrat et ambitieux. Permettez-moi simplement, pour conclure, de signaler que c'est aujourd'hui une date anniversaire. Il y a 103 ans, jour pour jour, les ouvriers et les paysans d'un des pays les plus arriérés du monde, qui s'appelait à l'époque la Russie, ont chassé les capitalistes, ont chassé les grands propriétaires terriens. Ils ont chassé le pouvoir du tsar et imposé une république démocratique où le pouvoir des ouvriers et des paysans a réussi en quelques mois à alphabétiser l'immense majorité d'une population analphabète, à garantir les droits de toutes les minorités opprimées, à établir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et quels qu'aient été les développements ensuite, l'histoire retiendra, comme l'a dit la grande révolutionnaire Rosa Luxembourg, l'histoire retiendra que ce 7 novembre 1917, ils ont osé. L'histoire retiendra que demain ou après-demain, les travailleurs et les jeunes dans notre pays et dans le monde entier oseront à l'égal de 1917. Et nous vous invitons à vous organiser avec nous pour aider à ouvrir cette perspective. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir participé à ce meeting.